Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie d'être présents ce soir pour cette première réunion de quartier 2024. Et nous nous sommes concentrés ce soir sur les quartiers centre et est. Et la semaine prochaine, il y a une autre réunion pour le quartier Val et le quartier Ouest. Vous connaissez le principe de, de ces réunions maintenant. Nous les organisons au mois de mars à la fin du mois de mars au début du mois d'avril elles nous permettent de rythmer l'année avec les visites de quartier en vélo que nous organisons au mois de juillet août. ces réunions de quartier sont diffusées en direct sur les réseaux sociaux. donc quand vous prenez la parole il y a des gens qui peuvent vous voir en dehors de la salle mais on les diffuse en direct et pour justement ne pas vous gêner on retire les vidéos à l'issue de cette réunion. Donc les personnes qui sont en ligne et qui nous regardent peuvent poser des questions et au fur et à mesure de la soirée, des personnes de la ville s'en feront les interprètes. Le déroulé est simple, comme tous les ans. Il y a deux temps dans la présentation. Un premier temps, on revient sur les grands projets qui concernent l'ensemble des quartiers de la ville. Une fois qu'on a fait cette présentation, c'est la partie la plus longue et puis dans le quartier centre, il y a toujours parfois une confusion entre les, les projets qui concernent directement le quartier et ceux qui concernent évidemment toute la ville. On prendra un premier temps de questions-réponses, et une fois qu'on aura fini ce, ce premier temps de questions-réponses, on passera au deuxième temps de la, de la présentation qui concerne plus spécifiquement vos deux quartiers. Donc je suis accompagné ce soir d'une partie de, de l'équipe municipale vont participer à, à l'animation, à la présentation avec moi, Cécile Adel, que vous connaissez, qui est maire adjointe en charge de, de la culture. Marie Allaire, qui est adjointe au maire en charge de la santé, et Roland Boubaud, qui est adjointe au maire en charge de euh, la solidarité, de la, de la cohésion sociale. Également deux conseillers municipaux qui sont à côté, Manuel Tesqui, Fabien Gasnier, et il y a Nicole Guy Bourget, qui est conseillère municipal, et qui s'est mis dans le public. Voilà, je vous prie d'excuser Michel Leclerc et Jean-Michel Pellet qui sont adjoints tous les deux et qui devaient faire la présentation avec moi, mais qui sont, qui sont souffrants et qui ne pouvaient pas être là ce soir. J'espère qu'ils seront sur pied la semaine prochaine. Je vous propose donc que nous commencions la présentation avec la première partie qui concerne les grands projets de la ville. Donc Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront réécouter exactement la même chose la semaine prochaine. Cette première partie est subdivisée en plusieurs thématiques et je vous propose de commencer avec les grands projets d'aménagement et les grands travaux. Le premier grand projet d'aménagement sur lequel on voulait vous tenir au courant, c'est évidemment le projet Éclosion. C'est la poursuite du projet du, du Clos du Bourg. Vous connaissez le sens de cette opération. L'objectif, c'est de renforcer le centre-ville d'Olivet, d'en renforcer son attractivité, de reconstruire la ville sur elle-même, d'avoir un peu plus d'habitants au centre-ville pour participer à l'animation, au dynamisme et notamment au commerce. Nous souhaitons donc accroître et diversifier l'offre de logement. Et l'opération d'aménagement, elle est structurée autour d'un mail qui a vocation à être paysager entre la place louis salé et le parc du Poutil. C'est un projet d'à peu près 15 millions d'euros que nous payons désormais depuis quelques années maintenant, environ à hauteur d'un million d'euros par an, et qui nous a permis d'ores et déjà de procéder aux acquisitions, de procéder à la viabilisation des terrains, etc., et qui nous permettront après de réaliser les espaces publics. Cette opération a démarré, Alors, les gros travaux ont eu lieu l'année dernière de viabilisation, vous avez pu le voir sous le mail, tous les réseaux d'électricité, d'eau potable, d'assainissement, de récupération des eaux de pluie ont été... Installés et nous avons deux chantiers qui ont commencé. Le premier chantier, c'est celui de l'îlot dit 4. C'est le premier par lequel nous avons commencé, qui est en face de la rue des Écoles. C'est un immeuble de logements sociaux qui est construit par la société 3F. Et nous avons posé la première pierre en janvier dernier et l'objectif, c'est que le bâtiment soit livré. Au mois de septembre 2025. Et pour ceux qui sont passés devant récemment, ils ont fini de faire les fondations et le radier. Et on va commencer à voir le bâtiment sortir de terre. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, pardon, je juste revenir en arrière, il y a des cellules commerciales. Euh, pardon, sur la slide de devant, euh, il y a des cellules commerciales. Il n'y a pas que des logements sur le bâtiment 3F, il y a aussi euh, 4-5 commerces qui pourront être loués. Alors, on peut les voir. Euh, à droite. Le deuxième projet dont les travaux ont commencé, c'est celui qui est situé à l'angle du mail et de la place devant la mairie. C'est le projet porté par Bouygues. Là, le démarrage des travaux a commencé il y a quelques semaines, en février dernier. On n'a pas encore officiellement posé la première pierre. C'est un programme d'accession libre traditionnelle. Et la livraison est prévue pour la fin de l'année 2025. Donc là, ils ont d'ores et déjà commencé à creuser le trou, parce qu'il y a des parkings souterrains sous ces deux résidences. Alors ça, c'était pour le, le quartier Éclosion, et on pourra y revenir si vous le souhaitez lors de la discussion. La deuxième grande opération d'aménagement que nous avons lancée, elle concerne le quartier de la Vanoise. Pour ceux qui s'en souviennent, ça fait maintenant une cinquantaine d'années que la ville achetait des terrains dans le quartier pour pouvoir à terme aménager l'ouest de la commune. C'est un terrain qui représente à peu près 5 hectares, sur lequel nous avons prévu essentiellement un projet d'habitat. C'est un projet pour lequel nous avons une grande ambition environnementale, puisqu'il s'agit de conserver en grande partie le boisement qui est présent sur cette... Sur, cette, sur ce périmètre. Le plan d'aménagement est en cours de construction avec un, un groupe de travail d'habitants, essentiellement des riverains évidemment. Ils ont déjà fait trois ateliers et le quatrième a lieu la semaine prochaine pour aboutir à un plan d'aménagement qui pourra être présenté lors d'une réunion publique le 19 avril prochain. En face de ce quartier, il y a euh, la construction de la nouvelle école de la Cerisay qui a lancé l'aménagement euh, de, de cette partie d'Olivet. Le chantier euh, avance bien. Donc, je vous rappelle que cette école a la vocation à remplacer l'école de la Cerisay, qui est aujourd'hui située en, en centre-ville. La nouvelle école sera un peu plus grande puisqu'elle aura euh, 12 classes. La restauration se fera sous forme d'un self et euh, la cour est aménagée sous forme de cour oasis, donc avec euh, de la verdure et pour éviter les îlots de chaleur tels que nous le faisons euh, aujourd'hui. Et puis surtout, c'est un bâtiment de nouvelle génération donc qui a un, un niveau de performance euh, euh, environnementale très élevé, il est 15% au-dessus de la norme d'efficacité énergétique qui est applicable aujourd'hui. Et on prévoit en plus, là on ne le voit pas trop sur les images, mais il y aura des panneaux photovoltaïques qui vont être installés dessus pour pouvoir produire de l'électricité pour les services publics communaux. Et donc l'objectif, c'est que nous puissions faire la rentrée de septembre prochain dans la nouvelle école de la Cerisay. Deuxième grand chantier en cours, c'est la rénovation euh, du sol au plafond du gymnase de Beauvoir. Ce gymnase, euh, il a son style particulier qui est caractéristique des, des années 60, qui fait partie de, de l'histoire d'Olivet, donc on souhaitait euh, le conserver. C'est pour ça qu'on a conservé euh, ce gymnase et qu'on a lancé une grande opération de, de reconstruction, de rénovation et de réhabilitation, pour essayer de retrouver euh, les couleurs de l'époque qui, au fur et à mesure du temps, ont, ont disparu, ont été recouvertes. Donc, le nouveau bâtiment sera très fortement amélioré d'un point de vue de performance énergétique, puisque c'est un gain de 67% de performance énergétique qui est attendu à l'issue des travaux. Et toute la toiture sera en partie, presque toute la toiture sera recouverte de panneaux photovoltaïques, ce qui permettra d'assurer l'autoconsommation du bâtiment et même un peu plus, et de produire pour la ville en électricité. Alors, ça, c'était les opérations euh, qui sont bien avancées. Dans le quartier du Val, nous avons euh, lancé, dans le cadre du euh, plan école euh, que nous avions imaginé il y a maintenant six ans, euh, de, de modernisation euh, de nos écoles. Nous avons euh, construit la nouvelle école du Poutil nous sommes en train de construire la nouvelle école de la Cerisay et euh, nous préparons euh, la reconstruction de, euh, du groupe scolaire Duval. Le groupe scolaire Duval, pour ceux qui le. Qui ne le connaissent pas, c'est un bâtiment pailleron pour l'école élémentaire. Donc, c'est des bâtiments qui, aujourd'hui, euh, sont à la fois des passoires thermiques et euh, pas terribles du point de vue de l'efficacité euh, face aux incendies, et des préfabriqués pour euh, l'école euh, maternelle. L'école date des années 70, elle a bien vécu. Et on avait étudié la possibilité de la, de, la, de la moderniser ou de la reconstruire sur le même site. Ça ne fonctionnait pas, ça prenait beaucoup de temps et ça suscitait beaucoup de nuisances pour les enseignants et les enfants. Donc la ville a acheté il y a maintenant trois ans un terrain qui est situé à proximité. C'est le terrain euh, que vous voyez là en, en, entouré en, en violet ou rose euh, qui est recouvert en partie de sapin, pour reconstruire l'école. Donc nous avons lancé un... Un, un groupe de travail avec euh, des, des habitants, des enseignants, des parents d'élèves pour préparer euh, l'expression de besoins et lancer euh, un, dialogue, un programme pour euh, construire cette nouvelle école. Alors, cette nouvelle école elle a la vocation à avoir 14 classes euh, maternelles et élémentaires. Elle accueillera, comme elle l'accueille aujourd'hui, deux classes euh, pour des enfants en, en situation de, de handicap. On en profitera également. Pour euh, la doter d'un self et d'une salle polyvalente, comme nous l'avons fait dans les autres écoles. Et donc, pardon, là, l'horizon, c'est euh, une livraison en 2027-2028, de temps de, il y a à peu près un an et demi, deux ans, pour euh, préparer le, le programme et euh, lancer le concours. Donc, l'ouverture, voilà, rentrée 2028, c'est l'horizon auquel on travaille. Un projet public de cette ampleur, ça prend très facilement 3 à 4 ans systématiquement. Autre sujet sur lequel on travaille et qui est pour nous un enjeu extrêmement important, c'est le domaine du donjon. Alors le domaine du donjon, c'est deux choses. C'est une magnifique forêt, mais qui est menacée par le réchauffement climatique et euh, des, euh, des équipements sportifs euh, sur lesquels euh, bah, nous réfléchissons pour voir euh, comment on doit euh, les moderniser euh, et euh, les dynamiser. Ce soir, on va surtout vous parler de la partie forestière, parce que nous avons pris une délibération importante au Conseil municipal il y a, il y a deux mois, qui est euh, d'en confier la gestion à, à l'ONF et de lui donner le statut de forêt communale, ce qui va nous permettre d'entrer avec eux dans un plan de gestion durable de la forêt. Alors concrètement, ça va se traduire par quoi Ça va se traduire par certains, à certains endroits par des coupes, parce que les arbres sont en train de mourir ou ne sont plus adaptés au réchauffement climatique, et par du remplacement pour pouvoir avoir des essences qui résisteront pour les 30, 40, 50 prochaines années. Donc on a commencé... Un travail d'abattage des euh, arbres morts. On va le poursuivre euh, notamment dans le parcours VTT parce qu'il est aujourd'hui euh, fermé à cause des arbres menaçant euh, de tomber sur les sur les personnes qui l'utilisent. Et on a euh, un peu taillé dans la sapinière euh, parce que euh, les sapins s'étaient euh, développés et euh, ils n'avaient plus l'espace pour continuer à se développer. Donc on a sélectionné ceux qui pourraient encore durer euh, le plus longtemps possible. Voilà. Donc vous allez voir euh, la forêt du donjon va va un peu bouger dans, dans les années qui viennent. C'est une décision extrêmement importante, parce que si on n'investit pas aujourd'hui dans l'entretien de notre forêt, ce n'est pas sûr qu'on puisse la conserver euh, comme on la connaît aujourd'hui euh, dans les années qui viennent. On observe vraiment un, un niveau de dépérissement extrêmement extrêmement inquiétant, et euh, ce qui est vrai pour la, le domaine du donjon l'est vrai plus largement pour la Sologne. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction sur les grands enjeux d'aménagement et de travaux. Et je passe maintenant la parole à Marie-Alaire. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu des animations physiques et sportives que présente la ville d'Olivet, que propose la ville grâce au programme HOP. Alors, le programme HOP, il existe depuis l'année dernière. Je vous l'avais déjà présenté un petit peu pour ceux qui étaient déjà présents. Hop, on bouge. Qu'est-ce que c'est? C'est une programmation d'activités physiques, d'activités sportives, donner l'envie de se bouger aux olivetins de différentes façons. Alors, vous connaissez déjà la formule avec les séances gratuites et sans inscription du dimanche matin. Donc, je vous rappelle, il y a trois thématiques différentes. On peut avoir hop en famille. Donc là, ce sont des activités plutôt familiales. On peut avoir hop en douceur avec des activités que l'on peut qualifier de plus tranquilles, comme du pilate, comme... Euh, comme du yoga, comme de la sophrologie et puis il y a hop à fond pour les plus sportifs, les plus aguerris, ceux qui ceux qui ont envie de bouger vraiment à fond pour être en super forme. Et puis à côté de ça, hop ça se décline de plusieurs façons. Donc de l'année dernière aussi, je vous avais présenté hop à l'école. Donc ça c'est une programmation d'activités pour lutter contre la sédentarité des enfants, des écoliers d'Olivier parce que malheureusement, on avait remarqué que même les plus jeunes bougeaient un petit peu moins suite aux événements de ces dernières années. Donc il y avait nous on avait un objectif, c'était de les faire bouger encore plus en faisant plus de pas. donc on avait mis en place un programme de, de tests après une analyse après la mise en place de de, comment, de petites programmations de petits parcours de façon à se, à se bouger un petit peu plus et là on s'est dit cette année si on faisait la même chose avec les seniors donc ce sont eux, les seniors, qui sont notre nouvelle cible de l'année. Donc il y a eu pareil, comme, comme pour les écoles. On a vraiment choisi de fonctionner de la même façon parce que ça, ça fonctionne vraiment bien. Une phase de test avec des seniors qui se sont proposés pour être équipés de podomètres, euh, de façon à étudier leur mobilité, le nombre de pas effectués par jour. Ensuite, nous sommes actuellement dans une phase d'analyse et euh, le compte-rendu de cette analyse sera fait lors d'une grande conférence sur la mobilité et l'activité physique des seniors le vendredi 17 mai à 9h30 à l'alliage. Donc je vous y convie. Je pense que ce sera un moment plutôt sympa, qui sera non seulement une conférence, mais aussi peut-être des petits exercices dynamiques, adaptés à tous. Donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et je passe la parole à Cécile, je crois. Bonsoir à tous. Alors, on peut se bouger physiquement à Olivet, mais on peut se bouger aussi autrement avec des animations. Et il y a plein de façons, effectivement, l'animation, elle peut revêtir plusieurs formes. Alors déjà, au mois de juillet, la quatrième édition de La Bamboche. Donc, à La Bamboche, on peut venir écouter de la musique, du théâtre, il y a des spectacles pour les enfants, mais on peut venir aussi se restaurer. Euh, passez un moment entre amis, vous pouvez apporter votre pique-nique. Euh, il voilà, y a plein de, de formules, soit sur place, il y a différentes euh, formes de restauration. En tout cas, passez un bon moment. Euh, C'est du mercredi au dimanche, euh, sur les après-midi et soirées. Donc, euh, le programme va bientôt sortir et vous avez de quoi faire pendant le mois de juillet pour vous occuper. Ensuite, la poursuite de la pause salée, Alors, la, la pause salée, c'est un dimanche par mois entre le mois de juin et, le, et entre juin et septembre sur la place Louis Salé. Euh, donc, avec pareil un temps de convivialité et puis euh, format musical, mais toujours euh, ces temps d'échange. Et puis, euh, bah, vous pouvez venir euh, en famille, entre amis, tout seul. Euh, voilà, différents formats. Ensuite, euh, au temps retrouvé, donc à la bibliothèque, il y a un nouveau service qui s'appelle décalé, donc avec l'ouverture de certains espaces de la bibliothèque le dimanche après-midi, euh, donc une euh, une fois par mois, donc jusqu'en juin, c'est une période de test. Euh, nous proposons ce service suite euh, bah, des demandes d'Olivetin et puis parce que la ville est animé aussi le dimanche et donc il y a possibilité bah, pareil de venir consulter des revues, prendre il y a un kiosque où on peut consommer sur place il y a un espace de jeu puisqu'on a une ludothèque autant retrouvée donc, euh, il y a de quoi faire aussi. Si vous ne savez pas comment euh, occuper votre, une partie de votre dimanche après-midi, ben maintenant, vous pouvez venir à la bibliothèque et on est friand de vos retours puisque c'est une période de test. Donc, euh, on aura besoin voilà, de vos remarques, euh, voilà, de ce que vous souhaiteriez si vous souhaitez que le continue ce type de service. Ensuite, là, on va passer plutôt sur la partie culturelle, parce que quand on dit animation, c'est aussi les animations culturelles. Donc la programmation de l'alliage, une programmation éclectique. Vous avez une partie de la programmation qui est annoncée devant l'alliage et sur le site Internet, avec vraiment toutes les formes de culture qui y sont proposées les grandes conférences de l'alliage euh, qui sont présentées un vendredi par mois à 18 heures donc une façon de découvrir euh, des domaines dans le domaine scientifique euh, et pas que d'ailleurs et de d'avoir un accès euh, différent oui voilà à des éléments scientifiques mais qui sont rendus accessibles à tous euh, donc avec des, des professionnels qui interviennent mais voilà accessible vraiment à, 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 à tous les publics. Et puis, enfin, le Cine, etc. Donc, une formule Ciné-Club qui a déjà démarré. C'est un principe de Ciné-Club. Pareil, un vendredi par mois à 20h30. D'ailleurs, demain, euh, il y en aura un donc euh, avec Alexandre Moix qui va présenter Un mauvais fils à 20h30. Et il y aura un documentaire, d'ailleurs, sur Patrick Devers qu'Alexandre Moix va nous présenter à 17h30, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc, on vous attend nombreux et on sera ravis de vous accueillir. Et je crois que c'est à Rolande. Voilà, bonsoir. Donc, alors moi, je vais vous présenter un nouvel équipement qui a ouvert ses portes au, au mois d'octobre 2023. Et je vais être plus précise. En fait, l'inauguration a eu lieu le 9 octobre 2023. C'est un équipement qui fonctionne bien, bien. Elle s'adresse, en fait, aux parents. Bien sûr, futurs parents, aux enfants, ainsi et pourquoi pas aux grands-parents et à toute personne qui exerce en fait la fonction parentale. Alors, elle rassemble, comme on peut le voir sur le tableau, la protection maternelle-infantile, PMI, c'est-à-dire que en fait se trouve dans cet équipement tous les lundis matins un médecin et péricultrice du conseil départemental qui reçoivent bien sûr les jeunes parents pour les accompagner et puis disons les accompagner sur des questions on va dire santé avant tout pour leurs jeunes petits et puis nous avons le relais de la petite enfance c'est en fait un accompagnement sur la recherche d'un mode d'accueil pour les enfants enfin, les c'est souvent, bien sûr, pour les petits qui ne sont pas encore scolarisés. Et puis, nous avons, bien sûr, l'EPE, l'école des parents et des éducateurs du Loiret, qui font d'ailleurs des actions, bien sûr, qui touchent la parentalité, mais font bien sûr ces actions au sein de la maison, mais pas que, ils font aussi beaucoup d'actions hors mur. Alors, sous l'égide d'une coordinatrice, c'est un espace, en fait, qui a, euh, disons, qui a des fonctions euh, de répondre aux questions sur la parentalité, d'être écouté, se former, et puis avant tout échanger avec des professionnels et d'autres familles. Voilà. Donc c'est un équipement qui est très récent. Euh, on, nous avons mis en place une belle programmation euh, dès le démarrage sur une programmation trimestrielle. Donc, et là, nous avons renouvelé la, la programmation. Euh, tous les trois mois, il y a une nouvelle programmation dense qui euh, vraiment peut intéresser en fait euh, tous les habitants, euh, quels qu'ils soient. Voilà, j'en ai fini, monsieur le maire. Donc, je pense qu'on passe. Je vais continuer. Alors je vous prie d'excuser Laetitia Gourbe qui a suivi ce, ce, ce dossier-là. Euh, comme le disait Roland de, à l'instant, il y a toujours des nouveautés euh, chaque année. Et comme rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, nous reconvertissons les lieux que nous n'utilisons plus pour pouvoir apporter de nouveaux services aux, aux habitants d'Olivet. Le, le, la maison de la parentalité qu'évoquait Rolande est située dans les locaux de l'ancienne média bibliothèque dans le Val. C'est un nouveau service que nous avons apporté dans le Val. Et euh, les euh, locaux qui étaient utilisés par euh, l'accueil de loisirs euh, des élémentaires, que nous euh, faisons maintenant dans l'école du Poutil, étaient disponibles. Et donc euh, nous les avons euh, transformés pour créer la salle des fêtes du donjon. C'était un, un équipement qui était attendu par euh, les familles à Olivet et parfois aussi par les associations. Donc on a fait des travaux de rafraîchissement, d'insonorisation, de réaménagement. On a euh, retrouvé un peu d'unité dans euh, le mobilier qui était à l'intérieur. Et à partir du 15 juin, vous pourrez louer euh, les, la salle des fêtes du donjon pour organiser des événements euh, familiaux. Donc il y a plusieurs formules qui sont possibles. Le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche, tout un week-end. Voilà. N'hésitez pas à venir visiter. Ça vous donne la possibilité d'accéder à ce bâtiment, d'utiliser des espaces extérieurs et de vous réunir en famille quand vous avez besoin d'un peu pousser les murs pour organiser une fête familiale. Donc voilà. À partir du 15 juin, vous pourrez réserver la salle des fêtes du donjon. Et je repasse la parole à Marie Allaire. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, je prends ma casquette euh, maison médicale, médecin, rendez-vous, euh, besoin euh, pour vous présenter un petit peu Medipol. Alors, vous l'avez peut-être euh, vu déjà un petit peu dans la presse, puisque y a déjà eu pas mal d'articles sur, euh, sur cette ouverture. Alors, Medipol, c'est un centre de soins non programmés. C'est un point très important à comprendre. Il va y avoir une, euh, entre 5 et 10 médecins qui vont y travailler, mais ce ne seront pas des médecins traitants. J'insiste vraiment là-dessus, ce, ce ne seront pas des rendez-vous médicaux, vous ne pourrez pas avoir des rendez-vous euh, en tant que médecin traitant, en tant que médecin de famille. Ce sera par exemple, vous vous blessez, vous avez une forte fièvre, vous êtes un petit qui est malade, enfin voilà, là c'est du soin non programmé, et vous pourrez accéder dans cette structure sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils vont fonctionner avec DocTolib. Ils ouvriront des créneaux toutes les deux heures, ce qui fait que par exemple, vous vous blessez à 10 heures, vous vous connectez, vous prenez votre rendez-vous qui aura lieu peut-être deux à trois heures plus tard. Là où il y a une différence avec les services d'urgence, même s'ils fonctionnent un petit peu de la même façon, puisque c'est un petit peu du soin non programmé aussi dans les services d'urgence, c'est que là, vous n'allez pas patienter dans une salle d'attente remplie pendant 2, 3, 4 heures. Là, vous patienterez chez vous et ensuite, vous irez au centre Médipole pour vous faire soigner. Alors, ce centre sera ouvert 7 jours sur 7, de 8 heures à minuit, et donc apportera une réponse d'urgence pour les habitants. Il ouvrira début avril, normalement autour du 2 avril. Donc, je pense courant de semaine prochaine, ça devrait être. Bon, là, ils sont en train de finaliser les derniers travaux et euh, voilà, ils seront prêts à accueillir, euh, voilà, à accueillir les patients dès la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On a bien conscience que l'accès à la santé est une des préoccupations majeures des habitants de la commune, mais plus généralement des habitants du département et de la région. Et c'est vrai que sur cette installation-là, c'est un projet qui est porté par des professionnels de santé, donc ils sont autonomes. Mais avec Marie Allaire, on a tout fait pour que un certain nombre de freins à l'installation qu'on redoutait puissent être levés et leur permettre de venir plutôt chez nous qu'ailleurs. Alors peut-être pour euh, enchaîner euh, parler quelques focus qui concernent vos quartiers pour qu'on puisse votre quartier pour qu'on puisse euh, ensuite euh, avoir plus de temps pour, pour les échanges revenir sur les, les, les différents euh, éléments d'actualité qui vous concernent plus directement le premier élément c'est les travaux sont lancés euh, sur l'éclosion je viens d'en parler donc nous allons pouvoir ouvrir le mail avant l'été pour pouvoir retrouver la fonctionnalité qu'on appréciait euh, tous de pouvoir relier la place euh, Louis Salé au parking de la mairie et au parc du Poutil. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième nouvelle à vous annoncer, c'est la réalisation des travaux pour accéder au terrain de basket derrière l'école Michel Ronfard. C'était un des projets qui avait été plébiscité dans le cadre du budget participatif. Les travaux ont été réalisés, ça permet aux jeunes d'accéder plus facilement au terrain de basket et de ne plus passer par le site de l'école. Et enfin, deuxième projet plébiscité dans le cadre du budget participatif de l'année dernière, c'est l'installation de jolies chaises de jardin dans le parc du Poutil. Elles vont progressivement faire leur apparition au printemps pour que vous puissiez profiter du soleil et de la bamboche et de tous les événements qui vont s'y dérouler. Dans le quartier Est, les nouvelles sont bonnes aussi, mais avec au milieu un peu de travaux. Donc, comme vous le savez, Rue de la Source, on en a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de réunions avec euh, les, les habitants du quartier et les riverains directs. L'enfouissement des réseaux euh, a été euh, commencé. Enfin, on a refait tous les travaux de canalisation. On va bientôt commencer l'enfouissement des réseaux et la requalification de, de la rue. Le secteur concerné dans son ensemble, c'est du rond-point du Pont Cotel jusqu'à la rue de Châteauroux. Ça va nous permettre de réaliser... Euh, bah, de refaire la totalité de la rue, de faire des trottoirs euh, aux normes et une piste cyclable bidirectionnelle sur l'ensemble de la rue qui sera connectée à la piste cyclable euh, du euh, Pont-Cotel. Et les travaux seront découpés en, en trois euh, tronçons, euh, de Châteauroux au Clos de Lorette, devant le Clos de Lorette, puis du Clos de Lorette au Pont-Cotel. On reviendra vers vous. Euh, Très prochainement, quand on aura le planning précis des travaux, puisque les entreprises sont en train d'être sélectionnées, et on parlera également du plan de circulation que l'on mettra en œuvre pendant les travaux qu'on avait discutés l'année dernière. Donc le début des travaux, c'est par ça qu'il fallait que je termine, c'est à la rentrée 2024, et il y en a pour à peu près un an de travaux. Les autres travaux euh, à venir, euh, vous avez pu le constater, ça a été réalisé en fin février début mars. Euh, nous avons euh, anticipé mais de manière provisoire la création de la nouvelle piste cyclable sur la section de, euh, de voirie entre le rond-point dit Petit Bois et euh, le rond-point euh, du Pont-Cotel. L'objectif c'était de sécuriser les euh, les traversées euh, Piétonne et cycle. On en avait parlé l'année dernière et je vous avais expliqué que mon souhait c'était qu'on qu élargisse un petit peu les trottoirs sur le pont pour pouvoir faciliter le passage des vélos. Ce n'était pas possible, j'y reviendrai si vous avez des questions dessus. Donc on a été obligé de retenir cet aménagement qui casse bien la vitesse et c'était ça l'objectif. S'agissant de la rue du camp des Indiens, qui est le caillou dans la chaussure de tout le quartier depuis maintenant plus d'un an, alors, j'ai des nouvelles, je dirais pas des bonnes nouvelles ni des mauvaises nouvelles. Le dossier a continué à, à avancer. Il y a eu une dernière réunion d'expertise au début du mois de février et l'expert a euh, demandé euh, à, aux entreprises de lui envoyer les, euh, les devis pour réaliser les travaux, donc euh, de confortement de la maison et euh, de confortement euh, de la rue, pour le mois d'avril. Et donc, on espère que. À la vue des devis, il nous autorisera enfin à lancer les travaux. C'est-à-dire que normalement, il n'y a plus de constatation à faire. Nous, on a juste besoin, parce que les devis, on les a déjà fait, on les a déjà envoyés on a juste besoin de l'autorisation de réaliser les travaux. Donc nous espérons euh, que les travaux pourront être réalisés euh, euh, bah, dès qu'il nous donnera la possibilité de le faire et si possible avant cet été. Enfin, la dernière nouvelle dans le quartier, vous le savez, c'est l'ouverture du centre de rétention administrative. Alors, c'est un projet de l'État, situé sur un terrain qui appartenait à l'État, qui a été mis en service par l'État en février 2024. Le bâtiment, alors vous pouvez le voir, la partie droite surélevée, c'est le siège de la police aux frontières. Donc en fait, dans les étages, c'est rempli de policiers. Et la partie gauche et la partie centre de rétention plus directement, où 90 personnes peuvent être retenues. Et dans le plan d'aménagement, ça sera planté à l'automne il manque la cinquantaine d'arbres qui doivent être plantés devant, le long de la rue devant le bâtiment, pour paysager un peu l'ensemble et qui correspondait aux engagements qu'avait pris le préfet à l'égard de la ville d'Olivet. Mais je pense qu'on y reviendra aussi lors de la discussion. Je crois qu'on en a fini avec la présentation et on peut donc passer aux questions-réponses. Donc je vous rappelle euh, le principe vous pouvez vous approcher et euh, parler dans les deux micros et les personnes qui sont en ligne peuvent nous adresser leurs questions euh, via le chat et elles seront posées par euh, les agents de la ville. Monsieur, je vous en prie, je vous laisse euh, venir par micro pour qu'on vous entende bien. Non, on se met debout. Ça évite de faire circuler le micro. Ça permet à, à tout le monde de, de ne pas échanger les, les microbes. C'est les bonnes habitudes qu'on a prises depuis le Covid. Oui, alors euh, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation de tous ces projets euh, dont certains nous étaient connus, d'autres un peu moins. Mais enfin, tout ça, c'est très bien. C'est très intéressant. Mais... Euh, je me demande bien que, ça ne, bien que ça ne soit pas un projet direct de la mairie, pourquoi vous n'avez pas touché euh, un mot aussi sur les projets d'agrandissement d'auchamp du côté de la, du bout de la rue de Verdun et la, les rues de Colvert et de tout ce quartier, qui est déjà actuellement fortement impacté par la, la circulation, en particulier lorsque le zénith et les grandes salles sont totalement pleine et saturée, les parkings sont saturés. Il y a des dizaines, voire des centaines de voitures qui viennent se parquer de ce côté-ci de, de la nationale. Euh, quand même, euh, ce n'est pas un projet de la municipalité, mais la municipalité y a quand même sa part dans le pouvoir décisionnel. Qu'est-ce qui se passe exactement à cet endroit et quel est le, quels sont les projets qui sont actuellement acceptés par la mairie Et euh, quelle façon y aurait-il d'essayer de, de, d'influencer de, euh, le déroulement de ces travaux futurs C'est-à-dire l'agrandissement, le, le, le drive champ euh, On parle de cette boîte de nuit, là, de, le pavillon qui était avant situé ailleurs dans Olivet. Et de façon générale, comment ça, ça peut s'intégrer dans le, dans le futur de la commune, sachant que c'est déjà euh, peut-être le point, l'endroit le plus pollué, le plus impacté actuellement, avant même que ce projet d'agrandissement euh, soit euh, implémenté. Voilà, c'est ce que je vous demande. Merci beaucoup. Alors en fait, si on ne l'a pas inscrit ce soir, c'est parce qu'en fait, on a prévu d'en parler la semaine prochaine dans la réunion de quartier Val. Comme ce soir, c'était le centre et euh, le quartier Est. Mais euh, évidemment, vous pouvez poser des questions sur tous les, les quartiers qui vous intéressent. Donc on a aussi beaucoup parlé euh, lundi soir en conseil municipal. Donc pour situer pour tout le monde, pour euh, rembobiner euh, un petit peu, il y a deux sujets euh, parallèles. Le premier sujet, euh, vous l'avez euh, évoqué. C'est la discothèque du pavillon, alors qui n'est pas située n'importe où à Olivier, elle était déjà située au, au plissé, euh, au niveau de l'horloge Fleury, Et cette discothèque a brûlé en 2018. Et depuis, euh, les propriétaires souhaitent la reconstruire. Et comme vous le savez, l'endroit où elle était jusqu'à présent, euh, la discothèque à cet endroit-là existe depuis. En tout cas, les, les dansings à cet endroit-là existent depuis. Euh, 100 ans, mais le quartier s'est développé et euh, l'absence de stationnement, euh, le fait qu'on était directement sur le domaine public, était à l'origine de nuisances pour le quartier. Et donc la ville s'était engagée à essayer de trouver une solution pour accompagner les porteurs de projets euh, pour trouver un nouveau site. C'est ce que nous avons essayé de faire euh, ces quatre dernières années. Euh, et euh, qui euh, n'a pas abouti sur un, un site à l'extérieur euh, d'Olivet. J'avais trouvé un site métropolitain et le président de la métropole euh, a refusé de vendre le euh, site métropolitain. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est euh, le développement du, de l'hypermarché Auchan. Euh, Auchan-Olivet est propriétaire depuis euh, maintenant de très nombreuses années euh, d'une bande de terrain qui est située le long de la RD 2020. Cette bande de terrain, elle fait à peu près 2 hectares de, de mémoire. Il y a un hectare de cette bande de terrain qui est occupé par un parking de 400 places de véhicules, qui était le parking utilisé par les salariés d'Olivet. Et à côté de, de ce parking, il y a la station-service, il y a deux stations-service, qui font à peu près 12 à 15 pistes, je crois, de, 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 de livraison de services d'essence. Donc c'est sur ce site-là. Qui appartient au groupe Auchan, qui est déjà urbanisé, que le groupe Auchan a souhaité construire un drive. Alors pourquoi construire un drive C'est la première question qu'on leur a posée. Ils souhaitent construire un drive parce qu'ils ont observé que l'hypermarché perdait de la clientèle parce que avec les nouveaux usages en termes de mode de consommation et l'impact du Covid, les gens ont modifié. Voilà, ils viennent plus dans le magasin qui est en plus ultra grand. Ils perdent du temps donc. Les habitudes de consommation ont changé, euh, les gens utilisent le Drive, l'hypermarché voulait se doter d'un Drive pour maintenir son chiffre d'affaires global. Alors vous pourriez dire, c'est la question que je leur ai posée également, mais c'est un peu absurde, puisque un peu plus haut sur la RD2020, il y a un Chrono Drive, et que le Chrono Drive appartient également au groupe Auchan. Et, et ils m'ont répondu, bah, ça appartient au groupe Auchan, mais ça appartient à une autre entreprise du groupe Auchan, et donc c'est pour nous un concurrent. Donc c'est la raison pour laquelle l'hypermarché résonne d'abord à l'horizon de ses propres intérêts avant de regarder les intérêts du groupe. On peut en penser ce qu'on en veut, c'est la réalité à laquelle on est malheureusement confronté. Donc pour l'hypermarché, avoir son drive est un élément qu'il considère comme stratégique. Donc pour construire ce drive, ils ont cherché un terrain qui leur appartenait, ils en avaient un, c'est celui qui est en face, et donc ils ont déposé sur un terrain qui était constructible, déjà imperméabilisé, une demande de construction d'un drive. Donc ce permis de construire il a été déposé en euh, fin juin, début juillet euh, 2023. Et il a été autorisé euh, mi-octobre dernier parce que le projet du groupe Auchan respectait les règles du plan local d'urbanisme, parce que ce terrain, comme je le disais, était... Constructible. Alors, qu'est-ce qu'a fait la ville quand elle a reçu ce, ce permis de construire Elle a essayé d'améliorer le, le projet qui était porté par le groupe Auchan, en veillant notamment à trois choses. La première, c'est que euh, lorsque le parking du personnel. Alors, ils le reconstruisent sur le parking du personnel. Hein, c'est un terrain qui est déjà imperméabilisé. Lorsque le parking du personnel avait été construit, il y a une butte de terre qui a été réalisée entre les habitations et le parking, des arbres qui ont été plantés dessus. Et donc nous avons vérifié que l'installation du drive ne conduisait à ne pas toucher à cette butte de terre et aux arbres qui font une sorte d'écran végétal. Donc ça, le bâtiment s'implante un peu plus loin, donc il ne touche pas à cela. Deuxième élément, on a regardé à quel endroit les véhicules allaient se stationner pour récupérer leurs courses. Et donc les, les pistes de livraison, elles sont situées du côté de la rue de Verdun, elles ne sont pas situées du côté des habitations. Et le troisième élément que nous avons regardé, c'était à quel endroit avaient lieu les livraisons, parce que les camions qui livrent le, le, le bâtiment, ben le, le bâtiment ben c'est souvent à des horaires décalés, ça fait beaucoup de bruit, et en fait, ils ont mis le quai de livraison du côté de la RD 2020, et ils ont prévu que l'arrière du camion rentre dans une sorte de caisson euh, phonique pour limiter euh, les bruits. Ces trois éléments-là de, de contrôle. C'est des éléments de contrôle pour lesquels nous n'avons pas de pouvoir d'interdiction. C'est-à-dire qu'ils ne les auraient pas respectés, nous n'avions pas la possibilité de leur interdire de la délivrance du permis de construire. Parce qu'un permis de construire, ça suit des règles objectives d'implantation, de destination de la construction, etc., etc. Voilà sur ce qui a été demandé et ce qui a aujourd'hui été délivré. Donc le Drive, le groupe Auchan, a le droit de le construire sur son parking. Euh, Aujourd'hui, ça c'est clair. Quand est-ce que va commencer la construction Le groupe Auchan nous avait dit qu'il souhaitait commencer la construction le plus rapidement possible. Les travaux n'ont toujours pas commencé, alors qu'ils ont le permis de construire depuis le mois d'octobre. Pourquoi bah, Ils nous ont indiqué, euh, bah, ils ont d'abord indiqué dans la presse. Et, euh, suite euh, au conseil municipal on leur a demandé de nous confirmer les raisons ils nous ont indiqué que euh, le financement de cette opération était reporté par leur direction euh, générale parce que les capitaux disponibles du groupe Auchan aujourd'hui sont fléchés sur l'opération d'acquisition des supermarchés euh, Casino vous avez tous vu dans la presse que le groupe était en train de s'effondrer donc Auchan rachète des euh, supermarchés et donc euh, n'a plus les sous pour financer la construction euh, du drive et donc ce qui nous a été indiqué, c'est que ce n'était pas un abandon du projet, mais que c'était un report du projet à l'année prochaine. Voilà ce que je peux vous dire à, à ce stade. Un permis de construire, ça a une date de péremption, mais la date de péremption, elle est euh, de 3-4 ans, elle n'est pas euh, d'un an. Donc ça c'est la partie qui est sûre. Le groupe Auchan réalisant ce drive, étant propriétaire de ce terrain situé en face de Comète, en face du zénith, en face d'une zone d'activité a souhaité avoir une réflexion d'ensemble d'aménagement de cette, de cette zone. Et donc, euh, il nous avait dit, bah voilà, on souhaite, en plus du drive, aménager la zone. Et donc, ils nous ont dit, on voudrait construire un hôtel de quatre étages. Euh, la métropole leur a dit, en plus, il faudrait que ce soit un quatre étoiles. Donc, un hôtel de euh, quatre étages, quatre étoiles à cet endroit-là. Euh, commercialement, je ne voyais pas trop le truc. Euh, en tout cas, ce qui était certain, c'est que euh, les règles de construction ne permettait pas de construire un hôtel de quatre étages à cet endroit. Donc le groupe Auchan nous avait demandé de modifier le PLU pour pouvoir faire ça. Donc nous avons refusé de modifier le PLU pour pouvoir leur permettre de construire un hôtel de quatre étages. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils sont partis à la recherche d'un autre type d'opération. Et l'opération d'aménagement plus globale qu'ils ont présentée à la ville et qu'ils ont présentée en réunion riverain au mois de décembre dernier c'est sur le reste du site qui n'est pas utilisé par le Drive de conserver la première station-service, celle avec les cartes automatiques, de supprimer la deuxième station-service, celle où il y a un guichet, et d'utiliser la fin du parking de leurs salariés pour construire trois bâtiments, deux qui seraient destinés à des restaurants, et un qui serait destiné à reconstruire la discothèque. Parce que bah, les porteurs de projets de la discothèque, euh, entendant parler d'un terrain qui était à proximité, euh, y ont vu évidemment leur intérêt. Donc aujourd'hui, ce plan d'aménagement est un projet porté par le groupe Auchan, qui a été présenté au riverain, mais qui n'a reçu à ce stade aucune autorisation d'urbanisme. Ils n'ont pas déposé de demande de permis d'aménagement ou de permis de construire en mairie. Donc pour l'instant, c'est une idée, c'est un projet. À la différence du drive, ils n'ont pas le droit de construire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer S'ils déposent un permis de construire, eh bien, la ville va euh, l'analyser, regarder s'ils respectent les, euh, euh, respecte les règles du plan local d'urbanisme. S'ils respectent les règles du plan local d'urbanisme, la ville délivrera les permis de construire. S'ils ne respectent pas les règles du, permis, euh, du plan local d'urbanisme, la ville ne délivrera pas le euh, permis de construire. Voilà concrètement ce qui va se passer. Alors il y a un autre sujet spécifique sur le pavillon, parce que vous avez dû voir que la ville, dans la suite de ce que je disais tout à l'heure, s'était portée euh, acquéreur du site actuel du pavillon. Et nous avons signé une promesse de vente avec les, porteurs de, euh, les propriétaires actuels du pavillon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la ville est propriétaire du site actuel du pavillon. Parce que dans la promesse de vente que nous avons signée, il y a une clause suspensive, évidemment. La clause suspensive, c'est qu'ils ne refusent de nous vendre le bâtiment si la ville ne leur délivre pas un permis de construire sur l'autre site. On serait à leur place, on aurait tous fait pareil. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est que les porteurs de projets, les propriétaires du pavillon, souhaitent, Poursuivre leur activité. Ils ont aujourd'hui, sur le site actuel, dont ils sont propriétaires, un permis de construire qui leur a été délivré, parce qu'ils y avaient le droit, qui leur permet de commencer les travaux quand ils veulent pour construire le site. Ils n'ont pas encore commencé les travaux parce qu'ils étudient cette solution alternative. Si cette solution alternative, le long de la RD 2020, ne marche pas, ils reconstruiront le pavillon là où il est aujourd'hui. Donc le pavillon, à ce stade, donc quoi qu'il se passe, sera reconstruit dans le plisset, soit du côté de l'Air RD 2020, soit du côté de l'avenue du Loiret et de l'horloge fleurie. Voilà euh, les gens. Et aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'ils ont un permis de construire du côté euh, de l'avenue du Loiret et ils n'ont pas encore déposé une demande pour avoir un permis de construire le long de l'Air des 2020. Pardon d'avoir été un peu long, mais au moins vous avez euh, tous, les, tous les éléments. Je vous, en prie, madame. Je vous invite aussi à venir au micro parce que pour les personnes qui euh, suivent sur les réseaux sociaux, quand vous parlez dans la salle, ils vous entendent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lever et à venir poser les, les questions directement euh, au micro. Bonjour. Euh, nous sommes très inquiets parce qu'on habite rue M, en face de Auchan, donc en face du parking d'Auchan, euh, qui lui-même pollue pas mal, et on sent même olfactivement cette pollution. Quand il, déjà au niveau de la, de la RN20, quand il y a beaucoup de circulation et les jours où il y a spectacle, etc., c'est bien pire. Donc, ça pollue beaucoup. Il y a des impacts sur l'environnement et des impacts sanitaires. Les impacts sanitaires, si les gens s'informent, il y a des impacts au niveau... Euh, possibilités de cancer de tout genre, des niveaux euh, de maladies respiratoires et aussi au, des niveaux, au niveau euh, des maladies euh, du système nerveux, y compris l'Alzheimer. Il y a une montée en flèche en Europe de, de l'Alzheimer, donc il faudrait peut-être voir ça aussi, parce que c'est très gentil. De, de faire des maisons de santé, etc. Mais si on ne regarde pas en avant, ça ne sert à rien. Hein. Deuxièmement, le gouvernement lui-même, là, il vient d'annoncer qu'il fait des efforts euh, pour enfin, euh, diminu pas diminuer le, le, le dérèglement climatique, mais il fait des efforts lui-même, il l'a annoncé aujourd'hui. Là, on ne va pas du tout dans ce sens. On va en augmentant la pollution pollution en augmentant les, le, la circulation automobile parce que s'il si, y a d'un côté euh, Comète et Zénith de l'autre côté il y a ce, ce, ce maudit Auchan enfin, ce Auchan qui a un énorme parking et euh, où les gens sont drainés pour euh, consommer soit dans le drive soit euh, dans ces restaurants qui sont faits par le groupe au champ lui-même, il y a un problème. Voilà. Je pense qu'il faudrait toujours regarder en amont et pas qu'on c'est trop tard. Or, là, on ne fait pas ça du tout. Et je ne comprends pas. Parce que dans chaque eau olivet, on parle de l'environnement, etc., etc. Mais c'est très sympa. Mais ça ne suffit pas. Regardez, il n'y a pas seulement le problème de, des hydrocarbures, il y a aussi le problème induit par euh, les freinages. Et là, on en aura pas mal, qui sont euh, l'usure des pneus et euh, des plaquettes de frein et des jantes. Donc, qui sont des particules fines, très fines. Et ça, c'est très, très, très mauvais. Je regrette beaucoup que vous n'ayez pas de, de médecin avec vous euh, pour vous informer. Voilà. Alors, je vous rassure, on a bien conscience de, de ces différents euh, éléments. Alors je ne sais pas trop comment vous, vous répondre parce qu'il y a des choses sur lesquelles la ville a prise et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas, euh, pas prise. Voilà. D'un point de vue euh, global, parce que ce que vous décrivez, c'est un phénomène global, c'est euh, le modèle de développement de notre pays, euh, même de notre continent, euh, depuis euh, 80 ans, euh, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On a un modèle de développement qui est basé sur euh, la voiture, euh, la voiture, bah, la consommation d'hydrocarbures pas chers, la voiture, l'extension des villes et les zones périurbaines. Tout est lié. C'est parce que c'est facile d'y aller en voiture, parce que ça coûtait pas cher d'utiliser une voiture, que les villes se sont euh, étendues. Quand euh, il fallait marcher ou euh, être avec sa charrue, euh, ou, euh, etc., bah, les villes étaient plus étroites, euh, on bougeait moins et il y avait une économie. Euh, plus euh, sobre. Pour ceux qui n'ont pas lu la, la, la BD Le Monde sans fin, euh, je, vous la, je vous la recommande parce que c'est très intéressant sur le concept d'énergie et les conséquences que ça a derrière. Donc vous avez raison, notre modèle de développement tel qu'il fonctionne aujourd'hui a plein d'effets pervers sur notre qualité de vie, sur notre environnement, et personne ne le conteste. Et les exemples que vous prenez... Bah, euh, le fait qu'il y ait des voitures qui passent euh, sur la RD-2020, euh, le fait que les gens aillent dans les hypermarchés, bah, c'est la trace de ça. Euh, la RD-2020, elle est à cet endroit-là euh, depuis les années 60. Euh, L'hypermarché, ça s'appelle Auchan aujourd'hui, mais ça s'appelait euh, Commode ou quelque chose comme ça. Il y a, il y a euh, dans les années 60 aussi, l'escale. Voilà, pour le coup, je n'étais pas né. Euh, l'escale, à l'époque... Donc euh, oui, euh, cette situation, euh, elle existe. Et oui, globalement, collectivement, il faut que euh, on en sorte. Mais c'est un paquebot. Ça va pas, on ne va pas sortir des choses euh, tous ensemble du jour au lendemain. Je ne sais pas euh, comment vous êtes venus ce soir, mais je ne sais pas si vous êtes venus à pied, si vous êtes venus en voiture. Mais on a tous notre responsabilité, euh, déjà, de faire évoluer euh, nos euh, comportements. Donc là-dedans, il y a des enjeux nationaux et puis il y a des enjeux locaux. Je suis complètement d'accord. Les enjeux locaux, bah nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire Qu'est-ce qu'on de faire bah Déjà, on essaie de plus construire la ville de la manière d'avant. Euh, J'ai passé pas mal de temps à vous parler d'éclosion, à vous parler de la Vanoise, à vous parler euh, du Beauvoir, à vous parler euh, de ce qu'on fait dans le Val. On n'étend pas la ville. On a gelé le plan local d'urbanisme il y a six ans. On reconstruit la ville à l'intérieur de là où elle existe aujourd'hui. Le projet Auchan, on peut l'apprécier, on ne peut la, pas l'apprécier. Là-dessus. Mais c'est la première fois qu'il y a une extension, un nouvel projet commercial qui ne se fait pas en extension de la ville. Alors ça se fait en, en venant euh, substituer un parking euh, des bâtiments. Alors ça a plein d'inconvénients, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ce genre de situation, malheureusement, on risque de les avoir euh, à l'avenir. Parce que comme on n'aura plus le droit, avec la zéro artificialisation nette des sols, de venir étendre la ville, et c'est plutôt bien, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, les lotissements qui permettent de loger 50 personnes et qui consomment 3 hectares, on en a beaucoup à Oliver. Le clou du bourg, ça loge plus de personnes sur une plus petite surface. Et donc comme on est plus près des services, ben on peut se déplacer à pied, on utilise moins la voiture, etc. etc., etc. Plus facilement les transports en commun, etc. etc. Donc le projet d'aménagement à notre échelle, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Ensuite, vous parlez de la pollution liée aux voitures. Alors, Il y a toute une partie qu'on ne maîtrise pas complètement. Euh, ce n'est pas moi, ce n'est pas la ville d'Olivet qui euh, va interdire les, les, les voitures euh, de circuler. On en a tous besoin, on utilise tous. Alors, Il y a un grand mouvement d'électrification. Ça résout une partie du problème. Ça ne le résout pas complètement parce que vous avez raison de souligner euh, il y a des, des particules fines qui sont liées au, au carburant qu'on brûle, mais les plaquettes de frein en émettent tout autant. Et les véhicules électriques émettent pas mal de particules fines euh, aussi. Donc voilà. Ça réduit un peu, mais ce n'est pas la panacée. Donc comment on fait mieux eh bien, En ayant moins de véhicules individuels, donc en ayant plus de transports en commun, en ayant plus de déplacements en vélo, etc. etc. Là-dessus, on est la commune de la métropole qui, à notre échelle, a essayé le plus possible de réfléchir à son plan de circulation et à le transformer. Aujourd'hui, ça semble évident pour tout le monde. En tout cas, ça fait quelques réunions publiques, qu on n'en parle plus. Mais quand on a mis la rue de la source en sens unique et la rue de travers baudelaire en sens unique pour favoriser les déplacements doux, etc. J'ai entendu pas mal de remarques en disant euh, et nos voitures. Alors, on l'a fait, aujourd'hui on, on s'est habitué et ça fonctionne euh, pas si mal que ça. L'année la, prochaine, quand la rue de la Source, sur la partie au-delà du pont Cotel, aura une belle piste cyclable et des beaux trottoirs pour pouvoir se déplacer, alors, on aura vécu un an de gêne, de travaux, bien sûr, mais je pense qu'on sera tous satisfaits de cela. Et là, les travaux qu'on a faits, euh, je lis les réseaux sociaux, je vois bien que ça, ça embête un peu les gens, qu'on ait mis euh, des, des petits potelets blancs euh, à la sortie du rond-point, ça force les voitures à ralentir pour que les vélos puissent. Bah oui, mais les enfants euh, qui vont au collège en vélo et qui avaient peur de redescendre et qui restaient sur le trottoir, et quand ils étaient sur le trottoir, ils étaient à, à hauteur de chute de la RD 2020 euh, parce que le, le parapet n'était pas assez élevé, bah ils, soit ils se mettaient en danger, soit ils ne prenaient pas leur vélo. Donc voilà des petits investissements que l'on essaye de réaliser au fur et à mesure pour sécuriser tout cela et faire en sorte qu'on soit mieux à pied ou à vélo qu'en voiture pour les trajets du quotidien. Ce n'est pas la grande révolution, mais si tout le monde faisait ça, déjà, ça serait pas mal. Et euh, je n'en ai pas parlé, mais... On en parlera euh, la semaine prochaine avec le quartier euh, Ouest, dans le cadre de la Vanoise. Euh, pareil, la nouvelle rue qu'on construit, elle, fait, elle va avoir sa piste cyclable, ses trottoirs euh, beaucoup plus agréables que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et on lance un groupe de réflexion pour modifier le plan de circulation avec les habitants de la rue de Navrin, de la rue du Coq, parce que dans ces rues-là, il n'y a euh, pas de trottoir, il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas de piste cyclable, etc., etc. Et on veut revoir globalement le plan de circulation pour pouvoir réaliser en 2025 des travaux de, de requalification complète de ces deux rues pour justement améliorer les déplacements. Euh, doux. Donc oui c'est pas parfait voilà euh, mais euh, on essaye d'en faire euh, le plus possible Alors ce, ce que je vous propose c'est que vous vous leviez et vous veniez au micro pour que les gens vous entendent et euh, venez, venez. Alors attendez y a, y a, on va faire tourner la parole. Allez-y monsieur et puis vous pouvez venir après Oui je reviens sur le projet donc éclosion ça marche Projet Éclosion, notamment le projet Fage Immobilier qui devait démarrer donc fin 2023 pour une livraison fin 2025. Bon, moi j'ai fait une réservation sur un appartement, je n'ai aucune nouvelle, ça n'a pas démarré. Je voudrais connaître l'évolution de ce projet, ce qu'il en est. Et puis pour revenir à la discothèque, je voudrais savoir que si si la mairie d'Olivet devient propriétaire du terrain actuel, qu'est-ce qu'elle a comme projet Pas une boîte de nuit, j'espère. Non. Alors juste, je vais répondre à la deuxième question. Si on devient propriétaire de ce terrain, la seule chose qu'on peut reconstruire sur le terrain de la discothèque actuellement, c'est un, un, un bâtiment pour exploiter une discothèque. Donc vraisemblablement, si la ville d'Olivet devenait propriétaire du terrain, elle raserait la discothèque et on en ferait un petit parc euh, parce qu'on n'a pas le droit de construire d'autres bâtiments parce qu'on est en zone inondable, aller à forte vitesse, etc. à cet endroit-là. On a le reconstruire ce qui existait, mais on n'a pas le droit de construire de nouvelles choses. S'agissant du projet EFAGE, je ne peux pas vous dire grand-chose malheureusement. Euh, la Effage avait donc l'îlot 1 qui était le plus grand îlot et ils avaient une soixantaine de logements à, à commercialiser. Euh, les opérations immobilières qui sont euh, lancées, la, les règles habituelles, c'est que euh, l'entreprise la, lance la construction de euh, son bâtiment quand elle en a pré-commercialisé au moins 30%. C'est-à-dire qu'elle a déjà vendu sur plan euh, 30% des euh, logements. Donc là, en l'espèce, ça faisait une vingtaine de logements. Il faut vendre une vingtaine de logements avant de commencer les travaux. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'en avaient pas encore vendu 20. Donc, ils nous avaient... Alors, pourquoi ils n'en ont pas vendu plus Ça n'a échappé à personne que depuis un an et demi, il y a une crise immobilière qui est liée d'une part à l'augmentation des coûts de construction et d'autre part... À la, le resserrement du crédit avec l'augmentation des, des taux d'intérêt. Donc, on a un peu partout des programmes qui euh, tombent à l'eau puisque bah, les gens n'ont plus les moyens d'acheter. Parce que l'augmentation des taux d'intérêt a, a fait prendre parfois 30, 40, 50 000 euros euh, de, de frais. Donc, le groupe EFA nous avait demandé une première fois de reporter le moment d'acheter le terrain en septembre dernier. On leur avait donné jusqu'au mois de mars dernier. Et, euh, et là, euh, le 15 mars, ils n'ont pas acheté le terrain. Donc maintenant, on, on attend de savoir ce qu'ils vont décider de, de faire. Mais je n'ai pas euh, d'éléments pour vous dire euh, quand le, le projet euh, commencera ou s'ils abandonneront le projet. Je vous en prie, madame. En revanche, donc, le projet Bouygues est parti et a encore quelques lots à vendre. Alors ensuite, on prendra quelques questions Internet. Je vous en prie, madame. Allez-y. Bonjour. Je voudrais vous parler d'un problème spécifique que, logiquement, vous n'ignorez pas parce que je vous ai écrit plusieurs fois. Euh, le Beauvoir... La, la restauration du Beauvoir a commencé, mais j'ai averti bien en amont d'un problème concernant la ventilation de la salle de sport. Et j'ai déjà, en 2022... Euh, en avril 2022, dit que ce serait bien de faire la ventilation loin des habitations. Résultat, j'ai le système de ventilation qui s'amorce euh, là, à quelques mètres de mes fenêtres. Donc, je ne suis vraiment pas d'accord avec le projet, puisque et, le, le, la salle de sport étant rectangulaire, il reste encore trois faces pour mettre le système de ventilation, c'est-à-dire l'extraction et la prise d'air. Donc je vais avoir un système qui va faire du bruit, même si on me dit les normes ceci, les normes cela. Les normes ne disent pas de le construire à quelques mètres des fenêtres de la voisine. Voilà. Alors ma question est, avez-vous changé votre projet Parce que je n'ai aucune réponse. Monsieur Leclerc est venu me voir, m'a parlé des normes. Euh, mais moi, ça ne me, me suffit pas. Ce que je veux, c'est qu'on change le projet et que l'ouverture qui a été créée exprès pour la ventilation soit sur une face loin des habitations. Alors, je sais que Michel Leclerc est venu vous voir euh, pour discuter de, de cela. À ce stade, je ne pense pas que cela soit possible parce que euh, le, le projet, euh, c'est un projet d'ensemble qui est dans un bâtiment qui est. Euh, -je, contraint, euh, on, on ne passe pas euh, les tuyaux, les gaines dans de nouveaux endroits. On réutilise non. les endroits qui étaient euh, là auparavant. Voilà. C'est nouvellement créé. C'est-à-dire l'ouverture vient d'être faite il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, peut-être deux mois, et c'est quand j'ai vu arriver des gros tuyaux que j'ai compris que ce n'était pas une sortie de secours que ça allait être la ventilation. Parce que les pompes donc, à chaleur, etc., sont situées de l'autre côté du bâtiment. Bah encore heureux, parce que euh, toutes les nuisances, je les aurais eues chez moi. Et quand je vous dis que je suis à quelques mètres, c'est vraiment quelques mètres. Donc je vis très bien avec le gymnase, mais je ne vivrai pas avec la ventilation. Et donc, ce que Michel Leclerc vous a dit est également vrai. Les, euh, les équipements qui font du bruit dans des euh, ERP sont soumis à des, à des normes et donc sont mesurés. Euh, et il euh, y a des, euh, des, des caisses phoniques qui doivent être installées dessus pour limiter euh, les décibels qu'ils euh, qu font à, à l'extérieur. Et donc quand il vous dit qu'il y a des normes à respecter, il y a des normes à respecter. Et notre travail, parce qu'à ma connaissance, ce n'est pas possible de le, de le déplacer, mais peut-être que je me trompe. Hein, je reposerai la question. à Michel, alors, il n'est pas là ce soir et vous aurez oui, répondu plus directement. Je masse. suis euh, <laughs> désolé. Mais de toute façon, comme on a vos coordonnées et votre adresse, on vous apportera une réponse plus précise. Mais on doit respecter les normes de décibels au droit des propriétés voisines. Oui, mais il y a d'autres normes sur la santé. Et je rejoins ce que disait Madame. Il y a des normes sur la santé des habitants qu'il faut aussi respecter. Le code de la santé publique existe. C'est sûr qu'il y a aussi euh, d'autres codes pour euh, les, les gymnases, les normes, etc. Mais le code de la santé publique vous interdit de faire ce que vous faites. Alors ça, j'en je, suis pas certain. Mais, mais et, quand je dis quelques mètres, hein, c'est moins. Enfin, vous êtes à moins de 10 mètres de mes fenêtres et à moins de 5 mètres de mon, de mon jardin. Non, mais je vois très bien où se situe votre maison et où se situe le, le bâtiment. Que... Ce que je dis juste simplement, c'est que euh, la, les règles de construction euh, sont respectées en, en la matière et le Code de la santé publique euh, ne prévoit pas de règles en matière de, de construction de, de bâtiments. Mais. Euh, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le détail. C'est Michel Leclerc qui suit ça. Je ne peux pas vous apporter une réponse beaucoup plus précise. Il m'a dit qu'effectivement, il était venu vous rencontrer pour en, pour en discuter. Oui, mais... Donc on reviendra vers vous pour vous apporter les éléments en détail. Mais là, je ne peux pas vous, vous assurer qu'on va trouver une solution. Ce que je peux vous assurer, en revanche, c'est qu'on est obligé de respecter des normes de bruit. C'est dommage parce que j'avais posé la question bien en avant. Euh, en, en avril 2022... C'est dommage qu'on n'ait pas tenu compte de ma demande. Et je ne sais pas si c'est. Vous savez, quand on, euh, on travaille comme ça sur un, un projet de cette ampleur-là, euh, on, on a plein de bon sens en se disant il bah, y a ça, il y a ça qui, qui est évident, etc. En fait, euh, la construction d'un bâtiment comme celui-ci, c'est une somme de, de contraintes. Parce que vous avez un bâtiment existant. Euh, avec euh, des, des éléments que vous ne pouvez pas déplacer parce que sinon ça abîme le bâtiment vous avez des, des équipements qui sont déjà présents dedans et quand vous bougez un élément ça en bouge un autre etc, etc. et cette somme de contraintes conduit euh, l'architecte en l'espèce à devoir faire un certain nombre de choix et je ne sais pas, mais, mais encore une fois je, on peut en parler des uns, mais comme je n'ai pas les éléments techniques je ne peux pas vous apporter une réponse plus précise et Michel devait être là ce soir, il vous aurait répondu bien mieux que moi, j'en suis certain je sais que c'est compliqué euh, et qu'on n'a pas forcément euh, une réponse parfaite à, à tout. En revanche, sur le résultat, là, ça je le sais, on est tenu de, euh, de limiter euh, les, euh, les bruits qui sont émis par le bâtiment. Ce n'est pas satisfaisant. Euh, là, je, enfin, je, je comprends bien que vous ne considériez pas ça comme une réponse satisfaisante. Je, je le comprends tout à fait. On vous en apportera une, je l'espère, un peu plus. Là Alors, madame, vous en prie. Bonjour, bonjour, monsieur le maire, bonjour à tous. Eliane Barthélémy, réserviste à la, à la commune. Euh, je souhaite que vous soyez. Oui, je souhaite, monsieur le maire, que vous soyez notre... Enfin, mon porte-parole auprès de la métropole, car si cette collectivité ce machin qui est loin des citoyens, euh, est inaccessible. J'aurais voulu que vous portiez nos doléances. Alors, pour le, il y a aussi des compliments sur le pont, pont Cotel. C'est magnifique, une magnifique entrée de ville, mais euh, je n'ai pas la même chose à dire à propos de la gestion du trou dans la rue du camp des Indiens. Alors, vous avez apporté la réponse, je vous en remercie. Et puis, je voulais aussi parler de la piste cyclable. Alors, la piste cyclable rue de la Source, c'est plus dangereux qu'avant. Même les gens concernés, les cyclistes, ne s'y aventurent pas. On a vu plusieurs fois. J'ai vu les, les gens continuer de monter sur le trottoir parce qu'ils ont peur. Si c'est juste pour afficher 450 mètres de voies cyclable en plus, ne fallait pas. Hein. Pourquoi la grande idée du sénateur n'a pas été reprise, la piste cyclable sur Encorbellement cela l'a été sur le Loiret, cela l'a été à Châtillon-sur-Loire, sur la Loire. Pourquoi pas là Le trafic sur la RD 2020 est plus dangereux qu'une rivière. La rue de la Source, ensuite. Euh, bien que vous ayez la volonté affichée d'en faire une voie urbaine, ça reste la D14. À ma connaissance, elle n'est pas déclassifiée. Elle reste l'axe est-ouest du sud de la Loire, y compris pour rejoindre le boulevard Victor Hugo et contourner Olivier. La réduire n'est pas réduire le trafic actuellement. Dernier point à propos de la métropole. J'ai signalé une ampoule grillée au-dessus de, 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 de l'éclairage de ville, au-dessus d'un passage piéton fin novembre. Il n'y a toujours rien de fait. Merci de m'avoir écouté. Alors, je vais prendre les, les points, euh, peut-être dans, dans le désordre, euh, euh, sur le trou de la rue euh, du camp des Indiens. Euh, on peut parfois incriminer la Métropole, sans effectuer... mais là, ce n'est pas la faute de la Métropole. Hein. Euh, la Métropole, euh, avec la ville, on a euh, immédiatement, en, en moins de trois semaines, on a obtenu un arrêté de catastrophe naturelle qui permettait de réaliser les travaux. Donc la Métropole, elle a un devis pour faire les travaux de confortement euh, depuis plus d'un an. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la Métropole. Le problème, c'est les assurances. Euh des propriétaires, à leur corps défendant, a contesté l'expertise du BRGM et nous a fait rentrer dans une procédure qui fait que pendant plus d'un an, on n'a pas eu le droit de toucher à quoi que ce soit parce que tous les trois mois, l'expert venait et disait ah ben, J'ai vérifié ça, j'ai vérifié ça. Donc le temps a été perdu comme cela. Là, l'expert, il a sur son bureau, depuis trois semaines, les devis de tout le monde. Il aurait pu dire ben, J'ai les devis, on y va. Il ne répond pas à nos sollicitations. Voilà, donc on peut accuser la Métropole de temps en temps, mais là-dessus, euh, ce n'est pas elle le, le problème et ils ont été euh, vraiment très réactifs. Sur euh, le remplacement euh, de l'ampoule, euh, vous comprenez bien, alors là, je ne sais pas où aller citer celle-ci spécifiquement, aujourd'hui, la, la Métropole intervient sur l'éclairage public à l'échelle de, de la commune, elle fait régulièrement des campagnes de vérification. Parfois, changer une ampoule en faisant venir euh, l'appareil la, la, pour euh, monter, euh, c'est une dépense très importante. Et ils essayent de euh, grouper pour planifier leurs interventions. Euh, et vous avez pu l'observer en, en janvier et en février. Il y a eu des campagnes de contrôle euh, dans les rues d'Olivet euh, pour vérifier euh, cela. Oui, bah j'ai bien compris que c'est novembre 2023. <laughs> ah, mais encore une fois. Euh, je, on va leur resignaler. Hein. Mais le, parfois, ça prend un peu de temps parce qu'ils euh, bah n'en font pas une à une. Ils font des, des campagnes où ils en changent plusieurs à la fois. Il y a une planification par commune qui prend du temps. Et puis, la métropole, là, en ce moment, sur l'éclairage public, elle a lancé une opération de transformation, et c'est ça sa priorité aujourd'hui, de tous les éclairages qui n'étaient pas encore à l'aide. Et donc, euh, tous les équipements qui ne sont pas encore à l'aide, qui consomment beaucoup d'électricité, etc vont être remplacés et sont en cours de remplacement sur les trois ans. Donc il y a une partie du temps de travail des agents qui est consacrée sur cette opération-là. Sur la, la rue de la source, euh, oui c'est un axe structurant, je pense que je n'ai jamais dit le contraire, euh, mais toutes les réunions de quartier qu'on a fait euh, l'année dernière, je pense que personne ne nous a dit qu'il fallait laisser les voitures rouler à la même vitesse, qu'il fallait pas sécuriser les déplacements doux et ne pas faire en sorte que la vitesse soit ralentie, etc. etc. Donc l'opération que nous faisons sur la rue de la source dans son ensemble, c'est une opération qui va réduire la taille de la chaussée pour dégager de l'espace pour les vélos et les piétons, et qui en réduisant la taille de la chaussée va ralentir les voitures. Parce que dès que la route est très large, les voitures roulent plus vite, quand la route est plus étroite, les voitures roulent moins vite. Il y a des plateaux traversants qui sont prévus à, à différents euh, endroits, et donc euh, cette voie reste euh, circulable. Mais elle sera circulée à une vitesse moins importante. Alors, si ça permet de conduire un certain nombre de personnes à se dire ah ben ça me rallonge un peu mon temps de parcours donc je ne vais plus l'utiliser, j'ai envie de dire tant mieux. Mais on n'a pas fait des aménagements qui interdisent aux voitures de prendre ce euh, cheminement. Alors après, euh, j'entends que les aménagements qui ont été réalisés entre le Petit Bois et le rond-point du Pont Cotel ne sont pas totalement satisfaisants. Vous avez raison. Moi, je ne trouve pas euh, formidable. Alors, il y a plusieurs options. Il y avait ce qu'on avait avant. Euh, ce qu'on avait avant, c'est à ne rien faire, euh, en attendant qu'on fasse de gros travaux. Les gros travaux, on les programme à, à l'échelle de temps à la métropole. Aujourd'hui, les gros travaux, je ne peux pas les promettre avant trois ans. Parce qu'il y a d'autres chantiers qui ont été lancés. Ce n'est pas une rue qui est payée par la ville d'Olivet, sur les enveloppes de la ville d'Olivet, c'est une rue qui est prise en charge directement par la métropole. Et donc, nous, le budget qu'on a eu, c'était pour le pont Cotel et la réflexion de la rue de la source. Là, il faudrait 1,5 million et demi d'euros. On ne les a pas programmés dans la durée du mandat parce qu'il y a d'autres villes dans la métropole qui ont aussi besoin d'investissements importants. Donc soit on en reste et on ne fait rien. C'est une option. On ne faisait rien. On restait comme c'était. Bah, quand on a fait les réunions de l'année dernière, tout le monde nous a dit que les voitures accéléraient quand elles arrivaient au milieu du pont, que les bus ou les voitures se décalaient au milieu du pont quand il y avait un cycliste et que c'était dangereux, qu'il euh, y avait un certain nombre de, de comportements qui n'étaient pas bons. Alors, on aurait pu dire, bah oui, bon, c'est comme ça depuis 10 ans, mais on va continuer comme ça. L'autre option qui avait été envisagée, c'était de faire des travaux, c'est celle que je souhaitais, c'est de faire des travaux un peu plus réduits. C'est-à-dire, on rajoutait euh, allez, 50 cm de béton de chaque côté pour pouvoir avoir une sorte de trottoir un peu élargi euh, sur, euh, pour que les vélos puissent circuler sur le pont de manière plus tranquille en rétrécissant pour ralentir la vitesse. Le pont il appartient au département. Il n'appartient pas à la métropole, il n'appartient pas à la ville d'Olivier. Donc euh, pour pouvoir faire des travaux sur le pont, il faut qu'on ait l'autorisation du département. Quand on a demandé ça au département, le département nous a dit deux choses. Il nous a dit, un, euh, c'est compliqué, vous regarderez en rentrant chez vous ce soir, il y a des avaloirs sur le, sur le pont. Donc si vous rajoutez euh, en fait, euh, 50 cm de béton euh, là où c'est, bah, en fait, euh, bah, les avaloirs sont bouchés. Donc l'eau ne peut plus s'évacuer euh, du pont. Le premier élément. Deuxième élément, bah quand vous rajoutez du béton sur le pont, vous modifiez la structure, le poids qu'il y a sur le pont. Et donc eux, euh, on a vu encore, il y a un pont qui s'est effondré cette semaine, euh, eux, avant d'autoriser qu'il y a des travaux sur le pont et qu'on modifie la structure, ils doivent vérifier que, on peut, on peut se dire c'est pas grand-chose, hein, mais eux, ils doivent quand même vérifier que euh, ça ne pose pas de problème sur la structure du pont. Donc ils nous ont dit, euh, pourquoi pas, mais il y en a pour beaucoup d'argent, et nous, il nous faut un an ou deux pour pouvoir faire les travaux, programmer les travaux, etc., puisque c'est eux qui doivent en plus les payer. Donc faire ce que j'avais envie de faire, on ne pouvait pas faire. Donc c'est soit on faisait rien, soit on faisait quelque chose un peu d'intermédiaire, transitoire, parce que ça n'a pas vocation à rester comme ça, en attendant une requalification globale. Et l'objectif que nous avons, c'est qu'une fois que nous aurons fait la fin de la rue du, de la Source, sur la partie au-delà du pont Cotel, nous souhaitons reprendre intégralement de petits bois jusqu'au rond-point du pont Cotel. Et là, on pourra refaire les accotements, là, on pourra modifier la structure du pont, etc., Etc. Mais ça, c'est à horizon 2 ans. Donc, notre alternative, ou trois ans, notre alternative, c'est rien faire ou essayer d'un peu améliorer. Bah moi, ce que je constate, c'est que c'est peut-être pas parfait, mais que les voitures, elles roulent moins vite depuis qu'on a fait ça. Et en ça, c'est déjà pas mal. Les voitures, elles ne doublent plus comme elles doublaient auparavant euh, sur le pont. Euh, voilà. Donc, euh, la vie d'élu, c'est être confronté à ça. Euh, on préfère faire la solution parfaite. Mais quand on ne peut pas faire la solution parfaite, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour améliorer un peu la situation Et s'agissant de l'encorbellement, euh, c'est une bonne idée hein, dans, euh, dans l'absolu. Mais là, pour le coup, je vous rappelle que l'encorbellement sur le, sur le pont euh, Leclerc, ça a pris 10 ans entre les études, les acquisitions, les euh, travaux pour vérifier euh, la solidité du pont puis les travaux, vous vous souvenez comment ils sont passés hein. On a fermé le pont pendant quasiment un an pour réaliser les travaux. Je vous laisse imaginer si on ferme le pont là pour réaliser un encorbellement pendant un an, et je ne sais même pas si la structure du pont permet de le supporter. Donc je ne crois pas que ça soit une solution réaliste financièrement parlant et fonctionnellement, alors qu'on peut avoir un espace partagé, je pense, sur le pont si on retravaille un peu différemment la structure. J'étais un peu long, mais... Euh cet aménagement, il n'est pas parfait, mais je crois qu'il permet d'améliorer un peu les choses. Je vous en prie, monsieur. Alors on refait les questions Facebook et ensuite... Je vais peut-être me permettre de poser quelques questions de la part des internautes. Donc j'avais Inès qui habite le quartier Est. Vous avez évoqué tout à l'heure la rue de la Source. Est-ce que vous pourriez présenter un tout petit peu le plan de circulation, notamment du côté de la rue du Moulin Elle habite dans ce secteur. Et euh, elle habite ce secteur et elle voulait savoir à quel moment ça serait, ça serait mis en œuvre. Et puis, elle voulait savoir quelles était la nature des travaux à côté du pont Cotel qui vont avoir lieu. Il y a un grand panneau de chantier, donc elle voulait savoir ce qu'il en était. Bah, je vais peut-être vous laisser poser votre question, comme ça je ferai une réponse globale. dame, bonsoir. Je suis Bruno Aubier, rue du Moulin. On monte, on descend, on fait quoi C'est mieux comme ça euh, je vais essayer de parler. Donc, euh, Alors, oui, je suis venu en vélo. Parce qu'il y a ceux qui parlent de l'environnement, il y a ceux qui parlent de la pollution, mais il faut tout faire aussi pour éviter ça. Et le vélo, c'est bon pour la santé. Je clôt le débat, on n'en parle pas plus loin. Euh, alors, en parlant de la rue de la Source, ça nous a amené à découvrir qu'on voulait servir de test en ouvrant la rue du Moulin. Bien sûr, on n'est pas d'accord puisqu'on a la chance, quelque part, d'avoir une rue sans issue. Donc, pas de pollution de bruit, pas de pollution de fumée. On a des écureuils roux qui sont, je crois, préservés pour la nature, qui sont contents d'être là, qui n'ont pas envie de se faire écraser par... Le projet qui est donc... Pardon, la rue d'Éclat a un gros problème. Parce qu'effectivement, la rue d'Éclat récupère rue de l'Aumône, rue de Lorette, rue du camp des Indiens quand elle sera réouverte, et rue de Pounel. Tout ça depuis des années et des années au projet du tram. On en avait déjà parlé que cette fameuse rue d'Éclat n'est pas adaptée pour récupérer 2000 voitures jour, aller-retour. Et la rue d'éclat vous trouver une bonne idée, c'est d'ouvrir la rue du Moulin. Ce n'est pas une bonne idée. Mettre la rue du Moulin, mettre la rue d'éclat en sens unique est une bonne idée. Ça va diminuer le problème au moins de la moitié. Mais d'ouvrir la rue du Moulin, bien sûr qu'on n'est pas d'accord alors qu'on est en sans issue. La solution, parce que ce n'est pas le tout de parler de problème, mais il faut proposer des solutions, on en avait déjà parlé. C'est, puisque oui, le problème du quartier du Coin Rond, parce que je vais me permettre de parler pour tout le quartier du Coin Rond, reconnaît que tous les véhicules qui passent dans toutes les rues, quand je vois tous les aménagements qui sont faits dans le quartier, ça pose toujours un problème, puisque les voitures, il y a beau y avoir un panneau de 30 à l'heure, mais vous n'empêchez pas les voitures de passer, et vous empêcherez pas le bruit. Donc la seule solution, c'est de contourner le quartier par d'un côté parce que le, oui, le problème il est côté est ouest et nord sud tout le monde s'en manche dans ce quartier la seule solution que j'ai trouvée c'est quand on vient de l'est et qu'on veut aller au centre commercial c'est de privilégier tout pour aller avenue de Châteauroux dans le centre commercial par des simples panneaux, puisque avenue de Châteauroux, je ne crois pas qu'il y ait des panneaux qui est marqué direction centre commercial. Pour la partie ouest, pour les gens du centre d'Olivet, pour aller au centre commercial, bah effectivement la seule solution actuellement, c'est de prendre la, le quartier Coinron ou de prendre la Nationale Vin. Alors là, excusez-moi, en, en face euh, la coopérative euh, Réal, Là, il y a un axe qui a été ouvert très bien pour prendre la vin et aller sur le centre commercial. Mais quand les gens sont au centre commercial, vous ne pouvez pas reprendre la vin. La seule solution, et qui va trouver donc, la, la, la solution de la rue d'Éclat en sens unique, et de revenir sur le centre d'Olivet, c'est de prendre la rue de Juine, qui est dans le parc euh, du Moulin. Ces parcs du Moulin, désolné, qui dessert aussi le parc des Moulins, et de, au garage Porsche, puisque là je pense que tout le monde va voir le garage Porsche, il y a effectivement une arrivée sur la 20, mais on ne peut pas s'en sortir, et il serait jouable, surtout qu'il y a un terrain, sauf si on m'explique qu'il est plein de pétrole ou en sous-sol ou des pierres précieuses, mais ce terrain vague peut servir à, à la fois desservir la vin, je crois que monsieur le maire, vous êtes d'accord là-dessus, on en a déjà parlé, et à la fois longer la vin pour revenir sur le centre d'Olivet euh, au, au garage pressoir, en sens unique. Et donc on pourrait faire un sens unique rue du camp des Indiens, rue d'Éclat, et retour rue de Juine et la 20 et on revient sur le centre d'Olivet. Parce que la deuxième solution, c'est de faire un rond-point sur la 20, puisqu'il est déjà d'un côté, côté est, pardon. Oui, elle est une piste cyclable où il y a quatre vélos qui y passent, et une piste cyclable où il y a la place de passer une rue. Alors, moi, mon idéal, ça aurait été... Un aller-retour, une, une, une deux voix mais on m'a expliqué et, et j'ai surtout compris qu'on n'a pas envie de faire une deux voies, mais de faire une seule voie pour repartir, rue de Juine et rejoindre soit Lavin, soit Garage Pressoir et rejoindre le Pont Cotel serait jouable. Et je pense qu'on peut faire et profiter de mettre en ce solique la rue de Pounelle. Qui est aussi une rue où c'est l'enfer pour les bagnoles. Et rue, du, et rue de l'Aumône, parce que quand je vois toute la signalisation qui est mise rue de l'Aumône, mais ça n'empêche pas la circulation. Donc le, le seul, le, la seule solution au problème, c'est d'éviter que les voitures y passent. Après, je suis un peu mitigé avec la rue de Lorette, où la mettre en sens unique serait compliqué pour moi sauf si on impose rue, avenue de Châteauroux d'un côté et le pont Cotel pour aller sur la vin, oui, garage pressoir et porche en deux voies. Donc voilà une idée pour le quartier. Et vous le savez bien, monsieur le maire, je ne suis pas d'accord de servir de test, puisque c'est marqué comme ça. La rue du Moulin, on l'ouvre, on teste, parce que je n'ai pas fait l'ENA. Je n'ai pas fait ça à l'école, mais on veut m'expliquer qu'aujourd'hui on est 30 pavillons, 60 bagnoles au maximum, et on veut essayer de m'expliquer qu'il faut qu'on verra le résultat en faisant passer 1000 voitures que ça serait mieux. Alors soit j'ai l'air d'un idiot, ça se voit peut-être, mais je ne le suis pas. Donc je refuse absolument. De garder ce fameux test pour désenclaver tout ce quartier par la rue du Moulin. C'est une fausse bonne idée. Et c'est vous déplacer un problème. Mais vous ne solutionnez pas le problème. Merci, pardon d'avoir ah bah, été long aussi. Euh... Bon, je pense que vous avez perdu un peu les gens, mais, mais euh, oui, je pense que l'idée générale, on l'a compris. Mais je sais que vous allez je vais essayer de... tout ça. Ouais. Alors, bon, je vais peut-être commencer par répondre aux questions Internet. Euh, la première chose, au niveau du Pont-Cotel, il y a un terrain où il y avait des vergers il y a quelques années qui ont été coupés par les propriétaires. Euh, ces terrains ont été, euh, sont en vente pour euh, y construire des maisons. Euh, voilà, C'était un terrain euh, constructible. Euh, les propriétaires devront en revanche reconstituer, parce qu'ils ont trop coupé, ils devront reconstituer euh, des plantations euh, entre la, la rue qui va vers le Pont-Cotel et le. Euh, et les nouvelles maisons qui seront construites, il y a 6-7 maisons, je crois, qui peuvent être construites à cet endroit-là. C'est donc des terrains, des lots à bâtir et les gens construiront leur maison dessus. Donc ça, c'est pour le terrain. Ensuite, sur le plan de circulation dans le quartier Est au sens large. Alors, Le premier élément, c'est que, comme vous l'avez compris, la rue de la Source va être fermée pendant un an en tout ou partie. Donc, la première chose que nous nous sommes posées comme question, c'était bah, comment on allait faire fonctionner le quartier pendant la durée des travaux. Parce qu'on peut prendre le problème dans, dans tous les sens. Si c'est fermé entre le rond-point du Pont-Cotel et la rue de l'Aumône, ou si c'est fermé entre euh, l'Aurette euh, et euh, la rue de Châteauroux, de toute façon, on ne peut pas passer. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité refaire la rue du Moulin. Et les travaux ont été faits l'été dernier pour qu'elle puisse servir de déviation pendant la durée des travaux. Donc l'idée quand la rue du Camp des Indiens sera ouverte, c'est de faire en sorte qu'une partie du flux de circulation puisse être dérivée par la rue du Camp des Indiens et puis aller rue du Moulin. Donc ça clairement, on l'a expliqué, c'est une déviation pour la durée des travaux. Quand on a évoqué cette idée-là, les habitants de la rue d'Éclat nous ont dit Ah, c'est un retour à ce qui existait au début des années 2000. Parce que dans votre présentation, il y a juste un élément qui manquait c'est que la rue du Moulin, elle n'a pas été fermée de toute éternité elle a été fermée dans les années 2000. Et euh, le système global avait, euh, qui avait été euh, envisagé à l'époque, c'est qu'il y avait une partie des flux de circulation qui allait euh, dans la zone d'activité du Moulin, qui passait par la rue du Moulin, et il y avait une autre partie des flux de circulation qui allait dans les zones qui passait par la rue d'Éclat. La fermeture de la rue du Moulin, ces 20 dernières années, ça c'est vrai, a fait en sorte que tout le flux de circulation s'est reporté sur la rue d'Éclat. Euh, la rue d'Éclat, elle a été aménagée dans un sens, dans un autre sens, euh, etc., Parce que, euh, je pense qu'on convergera tous pour dire que l'aménagement tel qu'il existe n'est pas satisfaisant et que, à l'évidence, et vous avez raison de le souligner, il faut qu'elle soit en sens unique. Bon, la mettre en sens unique, ça veut dire qu'il faut faire passer les voitures dans l'autre sens à un autre endroit. Voilà. Euh, moi je ne suis pas à faire de miracle autrement. Donc oui, la déviation que nous allons faire va nous permettre de tester un autre plan de circulation dans le quartier, mais pas simplement sur la rue du Moulin. Parce que quand on a fait des réunions postérieures, les habitants de la rue de Pounelle nous ont dit à juste titre « Notre rue est très étroite, il faut qu'elle soit à sens unique ». Et honnêtement, je pense que personne n'est contre ça. Des habitants de la rue de l'Aumône... moi, la rue de l'Aumône, j'y touche pas, parce que comme j'habite là, je, voilà, je donne pas mon avis sur la rue de l'Aumône. Mais il y a des habitants de la rue de l'Aumône qui ont dit « Ça serait bien qu'elle soit en sens unique aussi ». Et vraisemblablement, dans un sens unique... Alors, Organisé, je ne sais pas dans un sens ou dans l'autre, mais euh, cohérent avec celui qui est fait euh, rue de Pounel. Et on peut tout envisager, hein, on peut les mettre les deux dans le même sens pour faire en sorte que les gens prennent la rue du camp des Indiens euh, ou la rue de Lorette, on peut les mettre dans des sens différents pour répartir les flux. Ça, il y, y a plein de solutions qui sont envisageables avec des avantages et des inconvénients. Euh, parce que le seul point que vous n'avez pas euh, pris en compte dans, dans, votre, dans, dans votre raisonnement, euh, c'est qu'en fait, les voitures, à un moment donné, elles passent quelque part. Donc elle passe peut-être pas devant chez vous, mais elle passe devant chez quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il a exactement la même revendication que vous. Et donc j'entendais quelqu'un devant qui disait mais si les voitures on les fait passer toutes par là, elles vont revenir davantage au bout de la rue du Camp des Indiens. Et ça, bah oui, il y a aussi des gens qui habitent là, qui n'ont pas forcément envie que leur flux de circulation augmente. Donc évidemment, la bonne solution, c'est de faire en sorte que les, le flux de circulation diminue un peu partout, hein. donc je reviens sur la discussion qu'on avait tout à l'heure. Mais quand on touche à un plan de circulation, bah, euh, ça déplace les flux, euh, et euh, bah, ceux qui sont contents d'un côté ne sont pas contents de l'autre. Et nous, notre responsabilité, et ça je l'assume complètement, euh, c'est d'avoir une perspective la plus globale possible, de voir les avantages et les inconvénients de tous les scénarios, et je suis vraiment preneur de, de votre scénario, et de prendre une décision en fonction de l'intérêt général. Et ce qu'on essaye de faire, c'est avant d'engager des travaux très coûteux, c'est de tester un petit peu pour voir comment ça fonctionne. Et donc, ce que j'ai dit, et vous ne pouvez pas euh, dire le contraire, c'est ce que j'ai dit depuis le départ, c'est qu'on profite des travaux pour tester un plan de circulation. On verra, parce que les plans de circulation n'en changent pas tout le temps pour des raisons de sécurité, on verra comment ça fonctionne. Et une fois qu'on aura vu comment ça fonctionnait, on fera une réunion publique et on en discutera pour voir est-ce est que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant, et on prendra une décision qui, je l'espère, sera d'intérêt général. Et donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Sur le fonctionnement plus global et l'utilisation de la RD 2020, il euh, y a des choses que je partage dans ce que vous dites et il y a des choses que je ne partage pas. Vous dites, euh, ça serait très simple de faire une double voie euh, entre Dupressoir et la RD 2020. Bon, je vous laisse imaginer, vous avez la RD 2020 qui fait quatre voies et entre Dupressoir et là, on refait une, une, une rue à deux voies. Donc en fait, ça fait euh, six voies à côté des autres. On peut le faire, bien sûr, mais on rase tous les peupliers qui sont là. Ça, c'est possible. Et après, euh, vous, vous me direz, mais euh, monsieur le maire, on est dans une époque où on essaye de limiter les déplacements en voiture et vous nous avez fait une six voies euh, à cet endroit-là. C'est vrai que ce n'est pas complètement cohérent et je pense que les gens qui habitent rue du de camp des Indiens et dont les maisons donneraient euh, là-dessus euh, ne souhaitent pas non plus avoir une deux voies qui passe à côté de la quatre voies qui est juste à côté. C'est la, la petite euh, contrainte. Euh, donc aujourd'hui, moi, je suis pas favorable à titre personnel. La métropole, elle, souhaiterait. Qu'on fasse là où il y a l'insertion d'autoroute, on fasse au moins une sortie de la RD20, qu'on utilise la RD20 plutôt que de faire une deux, une deux voies. C'est une option que la métropole étudie. Moi, je m'en méfie parce que ce système-là, il permettra peut-être aux gens de venir dans le quartier ou de l'éviter, mais il aura surtout pour effet de permettre à toutes les personnes qui ne veulent pas s'enfourner dans, le, dans, le, dans, le, dans le, les bouchons euh, du carrefour de Verdun de se dire Oh, il y a un bouchon, vite, je sors. Et là, deux options. Soit je passe par, la, par le pont Cotel, et on va dire à la limite, moindre mal, ils vont vers gaston galou etc. Mais bon, les, les habitants qui habitent juste à cet endroit-là, de la rue du et de la rue de la Source, n'ont pas envie d'avoir un flux de circulation supplémentaire. Alors, vous les comprenez, vous êtes comme eux. Euh, et si ça passe vers le centre-ville, les habitants de la rue Travers-Baudelin et euh, les habitants de la rue Marcel-Belot et puis euh, l'horloge Fleury ne souhaitent pas non plus avoir plus de circulation. Donc, pour l'instant, moi, je freine euh, et je souhaite qu'on ne commence pas par là. En revanche, là où j'ai une bonne nouvelle pour vous, et je suis tout à fait d'accord, aujourd'hui on a un problème de sortie des Aulnais. Les Aulnais, c'est un cul-de-sac. Et donc on peut y rentrer par la RD2020, mais on ne peut pas y sortir. Et donc là, on a demandé, normalement les travaux auront lieu à l'été prochain, bah, pas 2024, mais 2025, on va créer un carrefour sur la RD2020 au niveau du Lari pour pouvoir avoir des voitures qui rentrent directement dans les et qui ressortent directement des Aulnais dans la RD2020. Et donc je pense que... Une fois qu'on aura le système global, qu'on aura réalisé le carrefour sur euh, l'air des 20-20, qu'on aura fini les travaux sur la rue de la Source, qu'on aura testé un plan de circulation euh, celui qui a été discuté l'année dernière, on aura tous les paramètres du puzzle et on pourra prendre les bonnes décisions pour savoir qu'est-ce qu'on fait durablement sur le plan de circulation dans le quartier, en prenant en considération les besoins et les envies de tout le monde. Voilà. Et moi aujourd'hui. Je ne suis pas complètement capable de répondre à cette question. Donc euh, testons et voyons. Et si la solution qu'on a testée pendant l'expérimentation n'est pas la bonne, il eh ben, faudra l'arrêter. Je n'ai aucun problème avec ça. Si c'est la bonne, il ben, faudra la confirmer et j'ai aucun problème avec ça. Mais on verra comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a euh, d'autres questions Alors, Madame, Madame, Monsieur et Monsieur. Venez faire la queue et vous pouvez vous asseoir juste devant. Hein, il y a des sièges libres. Une dernière petite question concernant le mail. On vous remercie beaucoup. Je venais poser cette question ce soir, mais vous avez répondu avant que je la pose. Euh, C'est vraiment bien pour le quartier et pour tous les habitants d'Olivet, en centre bourg de pouvoir euh, bénéficier du mail, même si le projet immobilier pour l'instant est retardé. Euh, voilà. Par contre, je m'interroge sur ce qui est prévu pour l'éclairage, parce qu'actuellement, il fonctionne en continu toute la nuit. Euh, ça m'éclaire ma maison à l'intérieur euh, gratuitement, c'est parfait. Mais peut-être que pour la ville, pas c'est pas ce qui est prévu à long terme. Je sais pas, c'était peut-être pour éviter euh, une zone de squat ou de, je sais pas, ou de trafic sur une zone euh, inhabitée. Une fois qu'on se pose cette question-là, euh, aujourd'hui, c'est parce que pour, pour l'éclairage public, ça vous a pas échappé, on le coupe. Alors On avait fait d'une heure à cinq heures du matin, maintenant on a avancé euh, à minuit. Euh, mais on peut pas le couper partout. On ne l'éteint pas là où il y a des caméras pour qu'elles puissent continuer à fonctionner. Et parfois, il y a des horloges. Donc c'est ce qu'on a, les matériels qui permettent d'éteindre, euh, qui ne permettent pas de le faire parce qu'elles sont anciennes. Donc on a aussi un travail de modernisation des systèmes d'alimentation. Donc là-bas, en l'espèce, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas éteint euh, la nuit. Mais comme on va euh, voir un peu comment ça se passe, je poserai la question à la SEMDO, parce que c'est elle qui gère euh, la partie maille. Mais c'est vrai qu'on l'attendait. Madame. Bonsoir, moi j'avais une question concernant euh, les travaux qui sont en préparation au, à l'issue de, de, enfin, de la rue sans issue, la rue de Pounelle qui est sans issue, la partie qui est sans issue. Il semble qu'il se prépare quelque chose. Comme nous avons déjà été un peu échaudés par un projet de. de non, le data center, ça y est, il y est, mais de d'antenne relais euh, voilà je voulais m'assurer qu'il ne s'agissait pas de ça puisque je n'ai trouvé aucune pancarte j'ai rien trouvé pas d'information du tout concernant euh, ces travaux voilà et puis la, la deuxième chose c'était juste une petite remarque je vous remercie pour les précisions que vous avez apportées sur le, la fameuse cavité sur la, la rue du camp des indiens j'aurais juste souhaité qu'on soit un petit peu plus informé depuis un an et demi euh, on a reçu une fois dans la boîte aux lettres, je crois que c'était en avril 2023, une information. Et là, on est, on est toujours un petit peu dans l'attente. Donc si on pouvait être informé plus régulièrement, ce serait... Ce serait bien. Voilà, merci. Alors sur les informations, je vais euh, commencer par répondre à cette question. Alors j'en ai beaucoup parlé aux riverains parce que entre les fêtes de quartier, euh, les réunions en vélo, euh, etc. Euh, et en fait, on n'a pas vraiment euh, de nouvelles informations euh, très souvent. C'est aussi pour ça que euh, voilà, on, on le fait pas euh, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, si on a du nouveau là, on le, on le communiquera euh, dès qu'on peut. Euh, sur le, le bout de la rue de, de Pounelle. Euh, le terrain qui est tout au bout appartient à la ville d'Olivet et c'est le terrain sur lequel euh, on envisage de pouvoir faire ce carrefour. Donc je pense que s'il y a des choses qui bougent et que vraisemblablement, euh, si je ne me trompe pas, il euh, y a. Euh ah oui, d'accord, il y a deux choses. Donc le bout, bout, bout du terrain, euh, c'est euh, on l'utilisera pour le carrefour et il y a eu des, euh, euh, un affaissement euh, d'une canalisation et donc il euh, y a un, une consolidation qui est en cours. Voilà. Mais non, il n'y a pas de projet. Et pour l'antenne, celle qui était envisagée euh, derrière chez vous, euh, elle n'est pas encore construite. Mais euh, la vocation à être construite euh, là où il y avait les gens du voyage qui s'installaient, euh, au niveau de Bellecroix. Voilà, C'était le terrain qu'ils avaient trouvé en repli. Et vous pouvez témoigner c'est euh, le data center euh, qui faisait très peur dans, dans le quartier. Et, euh, encore une fois, c'est légitime avant. Euh, où il y a eu tout un travail euh, avec l'entreprise sur la, la partie euh, phonique. Et aujourd'hui il euh, n'y a pas de bruit euh, particulier. C'est-à-dire que quand on, on, on doit respecter un certain nombre de normes, ils, euh, ils font des contrôles réguliers, ils les respectent. Alors oui, je suis juste mitoyen du, du data center. Ah, effectivement, il n'y a pas de... Aujourd'hui, il n'y a pas de nuisance, euh, semble-t-il, euh, suite au problème de ventilation qu'on qu avait un peu anticipé. Euh, J'ai toutefois de fait des, des remarques récemment, parce que c'est plus sur le... L'entretien du site où euh, bah, il y avait des poubelles, euh, il y a des qui restent dehors, enfin, c'est des choses comme ça. Donc je l'ai signalé, ça semble que tout doucement, enfin, c'est pris en compte. compte. Le problème, c'est que je pense qu'il y, y a pas mal d'entreprises qui viennent, enfin, il y a au moins deux ou trois visites par semaine, et peut-être que la multiplicité des, des intervenants fait qu'il bah, y a des consignes qui ne sont pas passées, ou je ne sais pas. Bon. bon. Ça semble rentrer dans l'ordre. Il euh, y a juste euh, également, il y avait euh, un problème de mise en route intempestive euh, de la sirène, oui. euh, souvent ah, après une intervention. Donc, euh, J'espère qu'ils vont, qu vont intervenir, qu'ils vont, qu vont faire quelque chose. J'avais commencé à noter, mais bon, j'ai vais arrêter. Euh, et l'autre chose, euh, c'est qu'il était prévu dans le permis de construire l'implantation de 14 arbres, je crois, pour rendre l'ensemble le, un peu plus, plus paysager peu. et puis bah, masquer un petit peu ce, ce bâtiment. Euh, ils ont bien été plantés, mais comme dans beaucoup de cas, ça n'a pas tôt. été suivi, ouais. ça n'a pas été arrosé et tout a crevé. Donc euh, si on pouvait apporter une attention particulière pour que ce soit effectivement euh, rénové et suivi, au moins le temps que ces arbres euh, reprennent, euh, ce serait parfait. Voilà. Alors, alors, on, les, les points sont bien pris. Malheureusement, je ne suis pas certain. Sur le domaine public, euh, quand on plante des arbres, l'entreprise est tenue de les entretenir. Et on a une garantie de deux ans. Euh, si elle ne les, euh, les arrose pas et que les arbres meurent, elle est tenue de les remplacer. Sur le domaine privé, je suis moins sûr qu'il y ait ce genre d'obligation. Bah — Le problème, c'est que si c'était... Effectivement, ils ont répondu au plan de, de construction. puisqu'ils les ont plantés. Oui, — Mais ils les ont pas entretenus. — Est-ce qu'il y a obligation euh, que ce soit... Euh, — On va regarder. Bah, je peux pas vous pas, Parce que sinon, ça point. sert à rien de marquer dans l'obligation. Voilà. — En tout cas, et merci pour, ça se pour votre bien. témoignage. — c'était juste pour insister sur la question euh, bruit. Euh, ouais, il y a des normes. Et euh, on les fait respecter. Alors il y a monsieur, puis monsieur. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez Oui, je suis. Oui, merci. Merci bien. Je reviens un peu en arrière, monsieur le maire, Oui. Euh, quitte à reprendre quelques points concernant ce projet d'Auchan, euh, le grand Auchan. Euh, vous savez, ça m'a ça rappelé un peu un, un, un vieux souvenir quand j'étais étudiant, où il y avait une énigme... Qui sont résumait de telle sorte que comment on pourrait faire pour mettre cinq éléphants dans une deux chevaux voilà. Et moi je me dis, mais finalement dans cet espace limité, qui est à la fois dans la zone inondable, et puis on va mettre une boîte de nuit, on met un hôtel à quatre étages. Non, non. Bon, en tout cas, la drive, et puis euh, bon, une extension de zone, bien sûr. Euh, à savoir aussi qu'il y a des, euh, est, on est dans une zone inondable déjà, bon, on, ça n'a peut-être pas été assez souligné. Et puis, bien sûr, il y a les effets additionnels de bruit euh, phonique, donc euh, sonore, et puis pollution en, en, en même temps. Et je me dis, mais bien sûr que la mairie, si j'ai bien compris, n'a qu'une part de participation comme collectivité locale pour donner son avis. Mais elle n'est pas, le, il est pas le seul, la seule à donner son avis pour les projets à venir. Alors je me dis, est-ce qu'il y aura pour... Pour le moment, bon, apparemment, c'est reporté. Est-ce qu'il y aura aussi une enquête publique pour la suite, le suivi des travaux après, si jamais ça se le, en le, prononce. La... Il y a un plan local d'urbanisme. Ouais. Lui fait l'objet d'une enquête publique. Et ensuite, vous avez des demandes de permis de construire qui sont déposées, et la ville contrôle que le permis de construire qui est présenté, respecte les règles de la zone dans laquelle le bâtiment va être implanté. Donc il n'y a pas d'enquête publique sur un projet comme celui-ci. En revanche, nous, ce que nous faisons en règle générale, c'est que nous organisons des réunions publiques, nous demandons à la personne, des bah réunions riverains plus exactement, nous demandons à la personne qui présente le projet de venir le présenter aux personnes qui habitent à côté. Et donc là, c'est ce qu'on fera si on reçoit une demande de permis de construire, ce qu'on a à ce stade pas reçu. Bien, ben merci. C'est pas une zone commerciale, quand même, non Non, mais c'est une zone, zone d'activité. Euh, en fait, c'est un terrain qui appartient... Et, et en fait, euh, si je pousse jusqu'au bout, euh, comme les terrains, aujourd'hui, vont devenir rares... Alors, normalement, en 2050, la loi actuelle, c'est qu'on n'a plus le droit de, euh, de transformer des zones naturelles ou des zones agricoles... En zone à urbaniser. Donc soit la population reste stable, soit il va falloir raser des maisons et construire des immeubles. Donc le monde vers lequel on va dans toute la France, hein, c'est quelque chose qui sera marqué par la reconstruction de la ville sur la ville. C'est euh... une dernière remarque concernant ce carrefour qui est très fréquenté, tram, les bus et compagnie. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet additionnel côté Accident, accrochage avec la boîte de nuit et le reste. Oh, voilà, je termine là-dessus. Oui. Honnêtement, je ne le pense pas. Euh, en revanche, on utilise ça, nous, comme un levier pour inciter euh, la préfecture à enfin répondre favorablement à notre demande. Parce que ça fait euh, plusieurs mois qu'on a demandé l'installation d'un radar euh, de feu et d'un radar de vitesse euh, à cet endroit-là. Parce que ça n'a échappé à personne. Il y a un cycliste. Alors, le cycliste est passé au rouge. Mais il y a un cycliste qui est mort il y a euh, six mois euh, parce qu'il a été euh, percuté par une, par une voiture à, à, à cet endroit-là. Et compte tenu des, des flux de piétons qui se garent euh, notamment sur le parking d'Auchamp pour aller au Zénith ou à Comète, il me semble indispensable qu'il y ait un radar à cet endroit-là. Euh, J'attends que la préfecture me réponde favorablement. Alors. On termine dans 15 minutes, puisque après, il y a un spectacle de l'autre côté. C'est un beau spectacle. Oui, monsieur le maire, je me permets d'intervenir. Je voulais pas intervenir, mais vous avez vraiment écouté monsieur Bié avec soin. Donc, euh, vous êtes intervenu sur son argumentation. Je me disais qu'il fallait quand même que j'apporte ma pierre sur le problème de la circulation. C'est un, un vieux débat sur Olivier, puisque quand nous avons commencé à lutter contre cette philosophie qui était la fluidité d'abord, je vous rappelle que les gens faisaient du 80 à l'heure sur la rue Paulin-Barre. Sur la rue de la Source, c'était aussi des accidents. Donc, nous avons lutté pour cela et nous avons eu quelques succès. Mon, mon sentiment, c'est qu'en matière d'aménagement routier, il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher, c'est-à-dire que ce n'est pas en s'arrêtant 5-6 ans de faire quelque chose que les, gens, les choses vont s'arranger après. Bon. Il faut avoir une continuité dans l'action. Vous avez sur le plan, je me permettrai de reprendre l'argument de Bruno Bier, L'argumentation la, de notre quartier, c'est que la, la serre de transit, serre de transit, vous l'avez dit, que les gens euh, du, du centre-bourg ne seraient pas contents d'avoir une circulation qui vienne plus intense qu'actuellement. Mais on l'a connu déjà. On l'a connu avant les travaux sur le pont Cotel. Vous avez la circulation qui se partageait entre descendre par le pont Cotel et aller au centre-ville. Bon, ça va recommencer. Or, justement, en faisant une voie qui permettrait de faire que la circulation venant de l'ouest pour aller aux zones d'activité, parce que nos zones d'activité marchent bien. Elles marchent bien, il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup d'emplois pour des gens qui habitent souvent Saint-Hilaire et qui viennent effectivement dans cette voie, rue du camp des Indiens, pour aller dans les zones d'activité. Donc leur permettre effectivement de ne pas faire la rue du camp des Indiens ou la rue de la source et la rue de Lorette pour arriver dans les zones d'activité me semble intéressant. Donc il me semble que vous êtes allé un peu vite dans l'argumentation sur le fait de ne pas vouloir aménager une circulation, mais soit on laisse cette circulation passer dans ce quartier, par la rue du camp des Indiens, par la rue de Lorette, par la rue du Moulin. Je n'ai pas d'arguments particulier, même si j'habite rue du Moulin. Bon, je vous rappelle que la rue du Moulin a été fermée parce que les, les étudiants qui sont au bout de la rue du Moulin faisaient du sang à l'heure sur la rue du Moulin. C'est pour ça qu'elle a été fermée. Bon, il y avait des enfants, etc. Bon, donc si elle doit être ouverte, comme j'ai dit à Huxerie il y a un moment, je lui ai dit d'accord, mais on fait à peu près un million de sécurisation de la rue du Moulin sur le plan de la sécurité. Or, ce n'est pas ce qui a été prévu dans les travaux qui ont été faits là. C'est un tapis roulant. Maintenant, on a des rodéos de motos qui font du 70 à l'heure sur la rue du Moulin depuis que c'est un beau tapis roulant. Bon. Donc, je voudrais quand même que si on doit étudier l'ensemble la, la, de la circulation du quartier, que ce soit sur des choses précises, des comptages précis, et que ce ne soient pas effectivement des arguments qu'on se jette à la figure. De façon, effectivement, assez dramatique, parce qu'on ne sortira pas de cette situation. Et surtout, vous l'avez promis depuis dix ans déjà, qu'il y aura un plan de circulation dans le quartier. Vous l'avez aussi promis dans l'ouest. Dans Mais nous, ça fait dix ans que vous répétez dans les réunions de quartier qu'il y aura un plan de circulation dans le quartier. Qu'est-ce qu'on attend pour définir ce plan de circulation C'est la question qu'on peut se poser. Donc, c'est un peu pour ça que je me permets de, refaire, de remettre le fer dans la plaine. Alors, je ne sais pas si vous mettez le fer dans la plaie ou si vous avez des trous de mémoire. Parce qu'il y a dix ans, je n'étais pas mère d'Olivier. Voilà, malheureusement, euh, c'était mon prédécesseur peut-être. Euh, voilà. Bon, en tout cas, ce n'était pas vous. Euh, en tout cas, depuis 1989, ce n'est pas vous. Euh, C'est l'histoire, les habitants choisissent. Et on peut leur reprocher de mal choisir peut-être, mais en tout cas, ils ont choisi de manière constante euh, une équipe. Euh, depuis longtemps. Sur le plan de circulation, euh, vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas. On a fait euh, cinq réunions publiques l'année dernière pour en proposer un. Il a été boité dans toutes les boîtes aux lettres et on prévoit de le mettre en œuvre euh, lorsque les travaux commenceront. Et je m'étais engagé à le mettre en œuvre dès que la, euh, la rue de la Source serait bloquée. La rue de la Source n'est pas bloquée, donc on ne l'a pas mis en œuvre. Et à partir de septembre, on aura le plan de circulation qui avait été évoqué avec la mise en sens unique de la, de la rue de Pounelle, euh, la mise en sens unique de la rue de l'Aumône, l'ouverture de la rue du Moulin. C'est le plan de déviation qu'on a prévu pendant cette partie qui a été discutée avec euh, les riverains. La seule condition pour y arriver, pour le faire fonctionner de la meilleure des manières c'est que la rue du Camp des Indiens soit rouverte. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, je crois que vous n'avez pas complètement compris les travaux que j'ai annoncés l'année prochaine, en 2025. Euh, vous prenez l'exemple des gens qui arrivent de l'Ouest et qui veulent aller aux aulnay. Alors, il y a le boulevard Victor Hugo, il passe par la rue Marc-Belot, il y en a certains qui passent aujourd'hui par Bellecroix. Les travaux que nous allons faire vont permettre de passer par la rue du Rosier et ensuite par le Lari. Concrètement, c'est ça le fait de faire un, euh, un carrefour au niveau du Lari euh, à la sortie d'accès réal. Moi je sais que c'est une de vos vieilles idées qu'il faut absolument construire une voie, une double voie à la place des, des peupliers, à la place de la piste cyclable, le long du pressoir. Voilà. Bon, je pense que c'est une mauvaise idée. Euh, mais voilà, on ne partage pas, euh, ça arrive. Hein. Moi, je considère qu'il faut plutôt utiliser les infrastructures existantes plutôt que d'en créer des nouvelles lorsque ce n'est pas nécessaire et que ça va gêner euh, tout un tas de personnes. Bon, C'est une différence de point de vue et, et ça se respecte. Monsieur. Bonsoir. Non, je vais des travaux de la rue du Presseur Aubry, qui, vont qui aura dû démarrer, mais qui vont démarrer bientôt. Est-ce que là déjà, les deux verrues au niveau de, euh, des trottoirs hein, ont été réglées et deuxième, deuxième chose, on n'a pas eu le plan définitif des, des travaux. Donc les travaux démarrent, mais on n'a pas eu de, vraiment le plan finalisé. Où peut-on le. Le, ah, plan le plan définitif, c'est celui qui a été présenté lors de la dernière réunion riverain. Il n'a pas bougé depuis. Oui. Et donc il est consultable en mairie si vous le souhaitez. Ça, il n'y a pas de problème. Et s'agissant des verrues, alors pour expliquer pour les, les personnes qui ne connaissent pas, euh, quand on réalise une opération de restructuration de la voirie, on en profite pour mettre à jour la domanialité euh, publique. Et donc, on procède à des opérations d'acquisition de parcelles qui sont parfois utilisées euh, d'ores et déjà par la voirie, mais qui appartiennent à, à des riverains euh, privés. Et donc, on les achète. Euh, à Olivier, on les achète. Dans les autres villes de la métropole, on, les, les villes demandent à ce qu'on leur donne. Bon, on ne les achète pas très cher, mais nous, au moins, on les achète. Voilà. Euh, et donc, il y a une personne qui a refusé euh, de vendre le bout de terrain qui est devant chez lui. Et comme... Euh, ça n'appartient pas à la ville. Euh, bah, la, la ville n'a pas le droit de faire des travaux sur ce, euh, sur ce bout de terrain. Donc euh, malheureusement, euh, on va aménager l'ensemble de la, de la voirie conformément au plan qui a été présenté lors de la dernière réunion riverain, sauf euh, sur ce, sur ce terrain-là. On a fait plein de propositions et la personne a, a refusé. Donc on, on, respecte, on respecte son choix. Oh, je vous en prie. Et puis on va... On va parce qu'il reste cinq minutes... Est-ce qu'il y a une dernière question en ligne, Monsieur Billet. Alors, euh, je reviens pour boiser le... Quel est le problème de boiser Bellecroix Parce qu'on cherche à boiser un peu partout, ce qui est bien. Bellecroix, il y a un hectare, j'ai mesuré à, à l'œil, il y a un hectare nu d'herbe. Pourquoi pourrait pas-on le boiser Ah bon, on est en train d'y réfléchir, mais ça ne nous appartient pas. Ça, ça ah, appartient au département. Oui, ça appartient jamais à personne. Ah, si, ça appartient à quelqu'un, là. Ça appartient au département. Il y a des terrains qui nous appartiennent et sur lesquels on a prévu de planter des armes. Et il y a d'autres terrains qui ne nous appartiennent pas. Alors, monsieur, puis Sophie, la question Internet. Je vous en prie. Oui, oui, bon, bonjour. Ben, moi, je suis également dans la rue Pressoir-Aubry. Et je voulais juste revenir sur la fin de votre phrase quand vous dites. Qu'on ne respecte pas le choix, enfin que vous respectez le choix de la personne qui ne vend pas, ça veut dire qu'il aurait pu y avoir 15 personnes qui ne voulaient pas vendre leur petit morceau de parcelle, et puis en fait, il y aurait eu un trottoir. En fait, c'est pas une obligation de, non. de devoir vendre. Non, parce parce, parce qu'il que... y a, a peut-être des riverains qui auraient peut-être pas voulu vendre, qui avaient leur voiture devant leur maison. Bah, on... Je ne parle pas du tout de moi. Hein, mais oui, non, je sais, mais on... en fait, mais, mais la du réunion. Coup, en fait, fut... je pense que les gens ne savaient même pas qu'ils avaient le droit de ne pas vendre. Ah, bah si, si, si donc... ça a été dit lors de la réunion riverain systématiquement. Ah. Donc, donc là, il y aura le trottoir avant, le trottoir après, j'ai bien compris. La piste cyclable, elle sera aussi interrompue. Tout sera non, interrompu. elle est sur la chaussée. Ah, la la piscine, d'accord. Elle est sur la chaussée. C'est en fait le trottoir qui sera. Bon, ça sera du ter, de la terre, hein, ça ne sera pas du ouais, joli là, calcaire. Ouais. D'accord. Okay. Peut-être quelques questions rapides sur le lotissement, de, lotissement des Poiriers. Est-ce que vous savez s'il y aura une rétrocession des voiries ben, c'est prévu dans le plan d'aménagement et la métropole a donné son accord récemment donc normalement euh, la, les voiries du le rotissement des poiriers vont être rétrocédées à, à la métropole. On nous parle aussi de problèmes d'incivilité en termes de, de points d'apport volontaire au niveau du, du lotissement des Poiriers avec des sacs poubelles qui sont souvent déposés à proximité, enfin rue des Poiriers et Claude Lorette, des, des sacs poubelles qui sont à, à, au, pied des, au pied des points d'apport volontaires. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors les points d'apport volontaires sont une, un choix qui a été fait il y a une quinzaine d'années d'aménagement. Et donc dans les quartiers où il y a de l'apport volontaire, généralement les maisons n'ont pas assez d'espace ou les voiries ne sont pas suffisantes pour laisser passer les, euh, euh, les camions poubelles. Ah, donc, c'est une technique qui est nulle et donc euh, qu'on a arrêtée euh, depuis. Et on a rajouté des bennes pour favoriser, mais ce n'est pas complètement suffisant. Ce qu'on est en train de regarder, c'est un nouveau système où c'est au sol. Et euh, les gens ne veulent pas jeter leur sac en l'air, mais acceptent de le mettre par terre. Donc, on est en train d'étudier ça dans certains quartiers et vraisemblablement, à horizon 2-3 ans, tous ces points-là seront remplacés par des systèmes à ouverture au sol. Dans le centre-ville, euh, en matière de circulation au niveau de la rue M. Jules-Marie-Simon, les feux sont au clignotant euh, très souvent le matin, le, en fin de journée. La personne souhaitait savoir si. Euh, c'est compliqué pour, pour les piétons pour traverser. Est-ce que c'est volontaire euh, Est-ce qu'il y a une question de sécurité C'est volontaire le matin et le soir pour la fluidité. C'est quelque chose qui nous est euh, demandé par euh, les automobilistes. Euh, et quand on appuie sur le bouton, normalement, ça déclenche euh, le feu piéton. Toujours dans le centre ville, dans le même secteur, quand vous descendez la rue Gilles Marie Simon, vous tournez à gauche devant le moulin de la vapeur, il y a un, un, un tournant un peu très très arrondi, on nous signale que les voitures circulent dessus et c'est dangereux pour les piétons, donc la personne proposait peut être d'élargir cet espace et de mettre des, des potelés. Est-ce que ça peut s'envisager bon, On va regarder, euh, Alain Damar est là et Stéphane Vendrisse vont regarder pour voir si on peut euh, installer cela. Y a, y a Dans de le centre-ville, au niveau de l'école enfin, de, de, la, de la Providence, avec l'extension de l'école de la Providence, n'avez-vous pas peur que la circulation soit amplifiée Ça ne changera rien sur la circulation, ça la réduira peut-être même un peu, puisqu'il y a déjà un établissement scolaire et donc on remplace un établissement scolaire par un établissement scolaire. Et c'est un collège où les gens viennent davantage euh, en vélo. C'est une partie du collège qui viennent en, davantage en vélo, donc euh, a priori, ça sera au mieux, ça sera neutre. Merci. Je vous en prie. Vous avez le mot de la fin. À, à propos toujours à propos de par exemple de la boîte de nuit qui fait, qui fait très peur à la population de la rue M. Alors mais, la, la dire... boîte de nuit pour éviter y ait moins d'ambiguïté, euh, elle n'est pas euh, du tout du côté d'Auchan, elle est, euh, oui, oui, mais est toute est, derrière parking Va être celui d'Auchan. Ah oui, mais pas euh, celui qui est tout au bout. Hein. Bah, C'est celui qui est en face. Ah oui, mais les. Alors, Il sera nous, utilisé... on l'entend. Hein. Oui, mais ah on mais entend oui, mais déjà pas, pas au mal les, les déchargements, etc., à Auchan, la nuit. Hein. Alors, je vais juste simplement lire ce qu'écrit le Centre Régional des Nations Unies pour l'Europe à propos de la pollution no sonore. Ces dernières années, de nouvelles problématiques environnementales se sont développées avec l'extension des activités humaines et du réchauffement climatique. Parmi elles, la pollution sonore qui affecte la santé physique et mentale des personnes ainsi que la vie des animaux urbains. Pour plus de euh, troubles de sommeil et maux de tête, l'exposition à long terme de la pollution sonore est considérée comme un facteur de risque contribuant au développement de l'hypertension de maladies coronariennes, du diabète et de lésions auditives irréversibles. Non, Madame, je, je vais voilà. vous répondre parce que comme les gens sont en train de partir, en, en quelques mots, oui, le bruit, ce n'est pas bien. Et on a un plan de lutte contre le bruit à l'échelle de la métropole avec des mesures qui sont réalisées régulièrement. Et en ce moment, on sort d'une campagne de tests qui ont permis d'identifier des points noirs et des travaux doivent être faits pour éliminer ces points noirs. À Olivier, on n'a pas de points noirs. Voilà. Les, mais, euh, les habitants de l'impasse... Euh... Ah oui, on peut, on peut vous la fournir, bien sûr. On a toutes les, toutes les mesures qui ont été dressées par la métropole, c'est la carte du plan euh, bruit. À du ah non, non, ils font des contrôles en continu sur des périodes de temps. Pour, pour vous donner un exemple, ils ont, fait une, ils ont installé euh, pas très loin de, de Auchan, euh, impasse, euh, je n'en m'échappe, celle qui est juste de l'autre côté, en face du parking silo. Euh... Euh, celle qui est juste en face du parking Allée Sainte-Croix. Allée Sainte-Croix, euh, -saint il y a eu des tests pendant une semaine euh, au pic choisi par les, les riverains et les mesures ont, ont identifié qu'on n'était pas au-delà des normes autorisées. Je ne peux pas vous en dire au plus, il y a eu un contrôle, on peut vous fournir les, les résultats du contrôle. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre présence ce soir et avant que tout le monde soit parti, je voulais quand même vous dire au revoir. Merci pour votre participation. Pour ceux qui ont aimé ça, il y a la même chose de la semaine prochaine, hein, donc euh, n'hésitez pas à revenir. Et merci aux personnes qui nous ont suivi sur Internet. Bonne soirée à tous.